Et coucou! Et Spectra, ton pseudo, il est tout vert! D'habitude, c'est rouge. Comment ça va? C'est dur d'être un enfant. Oh, attends d'être à la vie adulte avant de parler, mon gars. Quand t'auras des rendez-vous chez Pôle emploi qui ont une demi-heure de retard, là, tu pourras dire que la vie, elle est dure. Alors, dans mon coin, j'ai joué un petit peu, j'ai rempli pas mal mon Pokédex, j'ai sorti quelques Pokémon là, pour les entraîner, j'ai eu un Evoli qui était dehors, et puis j'ai chopé peut-être un ou deux autres Evoli, dans les raids qu'il y avait, il y avait un événement avec des raids Evoli magiques là, qui faisaient des paillettes partout, donc j'en ai attrapé. Et j'entraîne un petit peu mes Pokémon. Flotillon veut toujours pas évoluer, il est niveau 31, je sais pas à quel niveau il évolue, pour le moment je me renseigne pas trop. Je commencerai à m'inquiéter vers les niveaux 50 on va dire, mais là pour le moment voilà, je ne m'inquiète pas. Je vais juste changer un petit peu, je vais remettre mon Pokémon Minecraft. Parce que, oh là là, c'est vrai que ça fait ça. Je l'ai viré de mon équipe. Ah, j'ai fait évoluer le chien. Donc c'est devenu un comme ça, mais de toute façon je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais ouais, j'ai eu quelques Pokémon. J'ai testé un échange mystère magique et tout. J'ai eu ce truc-là. Je sais pas ce que c'est. Je sais même pas si on peut le voir. Résumé du Pokémon. J'ai eu lui, là. Il est un peu bizarre. Mais il est rigolo. Ouais, Pomme a évolué en Pomote. J'ai attrapé le dauphin. Qu'est-ce que j'ai attrapé d'autre? J'ai attrapé l'asticot, là. J'ai eu ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre un peu spécial? J'ai eu un Riolu! Je suis trop contente, il est trop mignon! J'ai mon petit Fampi aussi qui est adorable. Après, ouais, voilà, j'ai eu quelques Evoli. Donc Terra Crystal Roche, Terra Crystal Glace, Ténèbres et un normal. Et puis il y avait lui que j'ai attrapé, que j'ai fait évoluer. J'ai un Pyroli aussi. Non, un Voltali qui est Terra Crystal Insecte. Voilà. Après, je sais plus trop ce que j'ai pu attraper d'autre de très particulier. Si, j'ai eu lui, là. Il est rigolo. Mais voilà. Alors, je cherche mon Pokémon Minecraft. Je sais pas ce que j'en ai foutu. J'aimerais bien me le remettre dans mon équipe. Parce qu'il commençait à être un petit peu trop haut level. Voilà, il est niveau 32. Donc, je commençais à me dire qu'il va peut-être falloir un peu le virer de là. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, c'est ma petite team que j'aime bien. Là, c'est mes petits potes. Ils sont cool. Donc, finalement, j'ai pas pris le dauphin dans mon équipe. J'ai mis Aquali, mais... Je voulais le faire un petit peu monter de niveau. Je sais pas ce qu'il a comme attaque, le dauphin. Aquajet plongé. Écoutez, on va mettre le dauphin à la place de Aquali. Pour changer un petit peu, mais... Bon, il est mignon, mais je suis pas... Il est pas incroyable non plus. Voilà, donc sinon, je peux montrer mon Pokédex, du coup. J'ai atteint les 100 Pokémon attrapés, donc il faut que je retourne... Comment dire? Il faut que je retourne à l'école. Il avait dit, au bout de 100 Pokémon, il fallait que je revienne voir le prof. J'ai eu quelques petits cadeaux, voilà, des Pokéballs, machin. Voilà. Et du coup, au niveau du Pokédex, est-ce que je peux les trier par dernier Non, je peux pas. Je peux pas les trier par dernier que j'ai eu. Mais Ouais, donc il y a Pomme, Pomote. Je sais pas, ça va être quoi le dernier. S'il y en a un, je suppose que oui, peut-être, j'en sais rien. Tac, 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 tac. Je regarde un petit peu s'il y en a qui me font tilt, hein. Que j'ai pu choper dans mon coin. J'ai loupé lui. Il est mignon lui, hein, mais je l'ai loupé. Je lui ai défoncé la gueule. Le pauvre, il a rien pu faire. J'ai one shot et puis j'en ai pas recroisé depuis. Bon, j'ai pas non plus cherché à en recroiser, hein, mais je me suis quand même pas mal baladé, hein, je l'avoue. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Rien de très très impressionnant, quoi, pour le moment. J'y suis allée tranquille, hein, j'ai pris le temps. Et j'ai trouvé un Philali qui brillait fort. Il brillait, tu sais, comme on avait vu une fois. Comment dire? Il était niveau 50. Il m'a roulé sur la gueule. Oui, Flemme? Couche-toi, Flemme. Comme ça, on met la 4-cam et ils sont contents. Couche-toi. La 4-cam fonctionne déjà. Un peu mieux, oui. Mais alors, par contre, Flemme n'est pas vraiment devant. Tu te montres à la 4-cam ou pas? Coucou, couche, mon cœur. Couche-toi. Attends, que je fasse... Couche-toi, que je règle la 4-cam. Parce que là, elle n'est pas bien réglée, la 4-cam. Est-ce que si je la recule... Ouais, c'est pas tout à fait parfait. J'ai pas encore de setup vraiment pour la 4-cam, c'est un peu embêtant. Parce que si je fais comme ça, c'est un petit peu mieux.
C'est pas vraiment ça. Je sais pas où la mettre, la 4-cam, ça me saoule. J'ai pas de place encore. Est-ce que là, c'est mieux? Un petit peu mieux, oui. Il faut juste que j'arrive à la tourner. Mais elle se retourne toute seule, en fait. Faudrait que je lui mette un trépied ou quelque chose comme ça. Voilà. Là, 4-cam. T'es sage, hein? Elle fait la gueule. Elle fait la gueule parce qu'il y avait ma maman et Mini Téné qui étaient à la maison et elles sont parties. Alors qu'elle avait gratouille à volonté. Ouais, je regarde un petit peu, mais j'ai pas eu... Ah si, j'ai croisé lui. Alors, il m'a fait beaucoup rire. Mais pareil, je l'ai one-shot. C'est un accident. Mais sinon, ouais, non, j'ai pas eu de truc incroyable, on va dire. Je regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'aurait marqué que j'aurais oublié de... Non. Voilà, donc on va aller à l'école. Et puis, je vais voir ce que me veut le prof. Et après, on va aller continuer à faire l'arène de type électrique, quoi. Je sais plus. Je crois que c'était ça. Et voilà, j'ai vraiment... Merde, c'était là-bas. Attends, je pensais qu'il allait par là. Je me suis un petit peu baladée, mais j'ai pas non plus... Enfin, j'ai... En fait, je vais vous montrer la map, mais j'ai pas osé aller non plus trop loin. Je me suis baladée principalement par là. Voilà, donc en gros, je suis passée par ici, je suis allée dans l'eau. Avec ma petite moto, j'ai fait ch'touk, je suis venue là. Voilà, donc je me suis un peu baladée par là. Et c'est à peu près tout, en fait, parce que je voulais pas trop risquer de déclencher une cinématique en m'approchant de certains endroits. Et coucou! Merci pour ton sub, Yaz! Oui, Flemme. Alors, mais Flemme, je sais pas comment régler la 4-cam, mon chaton. Je sais que là, on ne te voit pas assez, mais les poupettes, va falloir un petit peu faire un effort aussi de ton côté. Hein? Voilà. Mais ouais, j'ai pas osé trop me balader. Parce que j'avais peur que, par exemple, si je m'approchais de l'arène, ça déclenche un truc. Enfin, voilà. Donc, pour le moment, j'ai pas vraiment trop exploré. Bah, 4-cam, finito! FP la gueule. Flemme est de mauvaise humeur. Mais du coup, ouais, je suis même pas... Je crois que je suis même pas allée voir les îles qui sont là. Faudrait qu'on y aille maintenant que j'ai le surf. Je pense qu'on va faire ça. Donc là, je vais voir le prof. Ensuite, on fait l'arène. Et puis, je vais voir les îles. Ou l'inverse. Et après, on pourra aller faire ce truc-là. Parce que moi, si je peux upgrade Croque-Mou, ça m'intéresse, quoi. Et après, on pourra aller faire lui. Un Stardust Poison Ninja. Stylé. Ok. Ah, puis il y a lui aussi. Stardust Combat. Il y en a partout des trucs. Par contre, la zone-là, elle a l'air assez sympathique. J'aime bien. Et bon, allez. On a dit déjà le prof. Ah, merde. C'est dur d'être un enfant. Surtout de te prendre une moto dans la gueule aussi. Let's go! Alors, je sais pas si j'ai débloqué des cours en plus aussi. Faut que je regarde au passage. Moi, je trouve ça sympa, ce système, de nous faire revenir quand même à l'école de temps en temps, c'est cool. Oh là, et j'ai Flemme qui est en train de hurler à la mort. Le salle de biologie, j'ai rien d'autre pour le moment. Non, je pense qu'au prochain cours, on va débloquer d'autres trucs. Alors... C'est dur d'être un enfant, surtout d'être... Ouais, mais ça fait deux fois que le mec il dit c'est dur d'être un enfant, hein. C'est un moment... Voilà. Monsieur, j'ai eu les 100 Pokémon. Oui, en plus. Salut Tenebi. Je vois que tu as enregistré 100 espèces de Pokémon différentes dans ton Pokédex. Ouais, trop forte. Tu vas faire. Ça alors, je m'attendais pas du tout à ce que tu captures de Pokémon de toutes les tailles. Oups, pardon, je me suis laissé emporter par mon engouement. Grâce à toi, je vais pouvoir approfondir mes connaissances sur les Pokémon. Tiens, c'est pour te remercier. 20 Hyperball ! Oh, propre, sympa, merci ! Ah, j'aime bien, mon cadeau. Décidément, tu as vraiment un don pour la capture de Pokémon. Si tu essaies d'en attraper d'autres pour atteindre les 200 espèces différentes... Oh là là, bon bah oui, c'est mon but, hein, mais... Je pensais avoir des récompenses, genre tous les 50, tu vois. Ça aurait été cool. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais je compte sur toi pour sortir tes Pokéballs dès que tu croises un nouveau Pokémon.
Bon bah let's go hein. Est-ce que j'ai des cours en plus? C'est une grande question. Je peux en profiter aussi pour me ressortir la table des types sur mon téléphone. Même si je la regarde pas forcément, mais au moins, si jamais j'ai un gros doute, je peux me la ressortir en trois clics. Dans ce moment-là, qu'il faudrait que je pense à recharger ma tablette, comme ça je les fous en grand sur la tablette plutôt sur le téléphone, c'est pas très pratique. Alors, est-ce que j'ai des cours? Non, j'ai pas de cours. Bah, let's go, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait en premier? On va vers les îles ou... on va voir la reine... c'est électrique. Oh, c'est électrique, hein. J'ai pas de conneries. Pas de cours sans intérêt. Bah, il y en a qui étaient pas mal, quand même. Alors, par contre, si c'est électrique, je suis désolée, dauphin, mais... comment dire que... En Pokémon, c'est quoi c'est sol pour l'électrique ainsi, de mémoire. Il me semble que c'est sol. J'ai terrestre et c'est tout en type de Pokémon de type sol assez intéressant. J'ai lui, il est niveau 22, mais je sais pas ils sont niveau combien. Non, je veux pas prendre d'autres cours de langue. Non, c'est bon. Alors lui, par contre, pitié, ne me foutez plus jamais dans sa classe. Hein. Je vais mettre un bac à boue. Je vais le mettre à la place de dauphin, du coup, parce que contre le type électrique, il va souffrir, bichette. Voilà, bac à boue, terrestre, on va essayer de se débrouiller comme ça, comme on peut. Et on va aller se TP. Je vais essayer d'aller voir les îles avant, je suis assez curieuse. Par où? C'est par là. Je vais aller ici, et on va plonger. Tout de suite, on va aller voir l'île qui est là, là, et celle-ci. Et là aussi, ils ont des formes un peu spéciales. Let's go! Et du coup, ouais, j'ai eu 4 ou 5 Evoli sur l'événement. J'avais pas non plus le temps ni le courage de faire tous les raids. Honnêtement, je jouais dans mon lit. Juste avant de dormir, allez, je me prenais un petit quart d'heure où je me baladais et je faisais les raids machin et j'avais pas le courage. J'étais un peu fatiguée. Alors, la moto, comment on fait? Comme ça. Let's go! Ils sont pas venus ici encore en plus. Faut que j'ouvre les yeux, parce qu'il y a peut-être des Pokémon que j'ai pas. Ça j'ai, ils sont rigolos, j'aime bien. Ah ça j'ai pas ça. Je crois... Non j'ai pas celui-là. Il m'a dit 200 Pokémon, il faut que je farm hein, du coup, quel enfer. Je sais pas c'est quel type de monsieur, ça doit être un truc poison ça à tous les coups. Je veux pas le tuer. Maintenant l'erreur que je fais beaucoup c'est que je one-shot tous les Pokémon donc ça me gonfle un peu. C'est bon, il y a certains de mes Pokémon, mine de rien, à force, ils ont pris en level. Et je me méfie quoi. Y aller tranquillou. Tant que je lui balance pas un coup critique dans la gueule, ça devrait le faire quoi. Ou que je puisse taper quand même. Bacabou. Il est mignon Bacabou, j'aime bien. J'ai revu des images de Pokémon Snap, ça me rend triste hein, de voir à quel point il était beau ce jeu. Pokémon Snap, il faudrait que je reprenne pour le faire à 100% d'ailleurs. J'avais pas eu le courage. Mais je pense qu'il va falloir que j'y joue. Voilà, allez, un de plus. On est à 106, si j'ai pas de conneries. Je me posais la question, si je zoome sur le Pokémon, là, on voit son niveau, on voit si je l'ai déjà attrapé ou pas. Genre lui, je l'ai déjà, je sais. Ouais, ah là, ça c'est bien. Ça j'ai, tout ça j'ai. Il y a un Magikarp échoué. Oh non! Ah mais il y en a deux! Oh les cons. Bon ça j'ai, on s'en fout. C'est les mêmes Evol, ok. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Si je croise des... Oh putain mais vraiment mais c'est une catastrophe les Magikarp.
Ah, c'est quoi ça? Ça attaque pas. Ah mais c'est l'évolution de l'autre là. De l'astico là, Triopico. Ça s'appelle du coup je suppose. Hein ouais ok. Bon il est pas incroyable mais il est rigolo. Mais je... En fait il y a un truc que j'ai du mal à comprendre avec, avec ce jeu. C'est que c'est pas des... Enfin, genre c'est pas la forme Paldea de Topicker puisqu'il existe. Mais ils ont quand même des variants quoi. Et c'est un peu... Ah, moi je les trouve un peu angoissants. Faut pas que je le tue. Par contre, j'ai besoin de PV. Est-ce que je peux quand même. Ça va pas le one shot si je fais ça. Non. C'est un trio picker à grand coup quoi. Il faut que je change de Pokémon parce que Bacabou, Bichette, il peut rien contre eux. Je veux pas non plus les tuer donc c'est un peu compliqué. Si je mets bâillement, il va dormir. Et je l'aurais pas vu rouge, son évolution, du coup. Parce que l'autre, il est tout blanc. Toi, là-bas, il y en a un là-bas, ils sont tout blancs. Et rouge comme ça, ça me surprend. Du coup, je me pose la question à quoi il ressemble en shiny. Je crois que j'aille regarder maintenant que j'ai vu qu'ils existaient. Baillez, baillez, vas-y, baillez. Il faut pas que j'oublie d'aller voir le petit mordu d'or à côté après, là. Ouais, Terrestre, il est mignon. Bon, il a l'air très triste. Genre, vraiment. Il a l'air, mais alors, mais il déborde de joie et de bonheur. Mais il est mignon, donc ça va. Alors, je veux pas le tuer. Ah, franchement, oh non, je l'ai tué. Ok, c'était un peu trop violent. Avec quoi je peux le taper sans pour pas que ça le bute, quoi. C'est... grosse question. Attends, on va parler à lui, déjà. Hop. Je veux absolument pas le... Il faut que je le zoome, parce que sinon il se cache. C'est vrai que c'est un peu chiant. Hop. 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 Mignon. Quand il est comme ça, dedans, il est mignon. Mais quand il est en mode... Je sors mes têtes, c'est affreux, hein. Le problème, c'est que j'ai pas grand chose. Je pensais pas que ça allait le one shot, moi, le direct kick. Ils ont pas non plus une... un si grand écart en plus. Parce que là, si j'y mets lui, il va me le dégommer, c'est sûr. Je vais réessayer de le refaire bâillement. Et au pire, après, je le tape avec des magic cartes derrière. Ça, j'aime bien, par contre. Vas-y, baille un coup. Oh non, fais chier. Cette violence! Après, au pire, si j'arrive à l'endormir, je peux le taper avec des attaques pas très efficaces. Mais je vais essayer de tirer debout quand même. Direct toxique, apparemment, c'est un peu trop violent pour eux. Si vous voulez. Là, ça va un peu mieux. On va y aller petit à petit. J'aimerais bien l'attraper quand même. Ça m'éviterait d'avoir à XP l'autre parce que je vous avoue que j'ai pas forcément envie de combattre avec. C'est bizarre l'effet qu'il y a sur l'herbe au fond. On dirait que c'est de l'eau qui coule, mais c'est l'herbe. Je sais pas si vous voyez bien, vous, c'est peut-être plus petit que sur mon écran. Mais sur l'espèce de colline là-bas, ça fait très bizarre. Oh, est-ce que le... Non, j'ai cru que le Magikarp allait retourner dans l'eau, mais non. Bon, c'est bon, on en a un. Le Magikarp me fatigue. Ok. Bon, ça c'est fait. Par le passé, ce Pokémon poisson a parfois été considéré comme une forme régionale de Triopicker, mais ce n'est pas le cas apparemment. Désolé, hein, mais... Carrément, un Triopicker rouge dans un caillou, quoi. Ok, ça c'est bon. Ça j'ai, ça j'ai. Oh, ok, donc là pour le moment. Il dort. Ouais, je vais peut-être juste les soigner vite fait, les pauvres.
Voilà. On fait le tour des îles et puis après on ira faire la reine, quoi. Ce n'est pas le cas car les designers sont des flemmards. Oh, c'est quoi ça? Oh, il m'a fait peur. Les niveaux combien? Ouah, bordel de merde! Eh, on joue à Pokémon ou à un jeu d'horreur? Faut arrêter les conneries, hein. Ok, alors je suppose qu'il me dégomme ma race, mais j'ai pas de problème. Non, ça va. Je l'avais jamais vu, lui. Il m'a fait peur, hein. Mais elle est tranquille, avec des méga sangsues, comme ça je le chope. Un design assez sympa, j'aime bien. J'ai un peu peur, mais ça va. C'est sur Pokémon Arceus que t'avais des Pokémon qui nous fonçaient sur la gueule comme ça aussi. Voilà. Oh, j'aurais pu le tuer, mais tout va bien. Je connaissais pas celui-là. Passé maître dans l'art de la régénération, ce Pokémon se débarrasse de sa chair en trop pour gagner en agilité, puis il fond sur ses proies. Oupsie ! Ah, moi je pensais que c'était un haut acier. Il avait l'air d'être très métallique. D'accord. Ok, intéressant. Un peu angoissant. Peur, hein. J'ai vraiment peur. Ok, donc on sait qu'on peut se faire attaquer la gueule dans l'eau. Donc on va y aller mollo, hein, tranquillou. On va surveiller. Oh, il y a du monde ici. C'est niveau combien? C'est niveau 30. Ah, c'est un peu plus chiant niveau 30, je vous avoue. Hop. Toi, tu te bats combien, toi, parce que bon. Je cherche le potentiel qui sommeille en moi. Qu'est-ce qu'un mec en costard-cravate vient faire paumer sur une île comme ça, là? Un délestin. Ah, super. Trop bien. Alors. On va se faire chier, hein. Il est niveau combien? J'ai même pas fait gaffe. Comme il y avait des Pokémon niveau 30 dehors. Pas très efficace, mais ça fait mal quand même. Niveau 32. Ok, donc on va quand même se méfier un petit peu. Hein. Je sais pas s'il a d'autres Pokémon, j'ai pas fait gaffe. Non, il a que lui, donc ça va. Donne la thune maintenant. En fait, les combats Pokémon, c'est du racket légal. En tout cas, il se trouve pas dans le combat. Non, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu fous sur une île, mon gars? M'attaquez pas, petit dauphin. Alors, je peux pas monter là-haut. Je sais pas si. C'est peut-être. Ah, si on faisait le tour par un côté. Attendez, on va essayer de pas non plus. Pas non plus rentrer dans des Pokémon qui peuvent être un peu trop haut level, on va se méfier. Hein. Là, il n'y a rien, il n'y a pas... Oh, si, si, il y avait, mais c'est juste que ça n'a pas pop. Très bien. Alors, eux, on les a. Donc là, il y a des formes évoluées, mais... un petit peu trop haut level, j'ai pas vraiment envie de m'emmerder, je vous avoue. Je repasserai ou je ferai évoluer les miens. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Luzin. Et ici. Erdo. Il y a du monde, hein. Et le Pokéball là-bas aussi. Air de feu. Oui, bah oui. Ok. Pourquoi pas. Et la protéine. Ok, bon, on a fait le tour, hein, des petites îles qu'il y avait par là. Donc on va aller... Ah, non, il est là-bas. Et du coup, on va partir faire notre arène. Hein. Bon, j'allais me TP, mais je suis pas une feignasse à ce point-là. On va quand même y aller à la nage.
Je sais pas trop ce que je peux débloquer d'autre comme comme pouvoir avec la moto. Le vol, sans doute. Mais parce que j'ai quand même pas mal... Merde, j'avais pas vu, j'ai roulé sur quoi. Oh, bichette. Je sais pas combien il nous en reste, ça, des trucs au moins 3, je dirais. Hein. L'escalade, peut-être? Ou un saut plus haut? Un peu la flemme de changer de Pokémon. Je l'admets. Il doit m'en rester encore 3 des trucs. Il me semble que c'était 5. Hein. Donc il y en aurait un qui serait le vol, et puis les deux autres, je vois pas trop ce que ça peut être. De toute façon, on le saura assez vite. Hein. Je vais quand même... Je pense que ça va se finir plus vite que les arènes, ce truc-là. Et niveau 33, hein, notre petit Minecraft. Faut que je le renomme. Ok, let's go. Cette musique. Ah, on va par là? Ouais, je crois que je l'ai pas fait celui-là. Que le vent me pousse. J'aimerais partir en voyage poussé par la brise légère de l'aventure. Bah, let's go. T'es en tenue là, t'as ton sac à dos et tout, vas-y. Vivaldin. Oh, je change de Pokémon. Jamais tu veux voir un truc tout mignon, lance ton pommotte dans l'eau pour voir son animation. Ah, je vais faire ça après. Déjà, on va lui rouler dessus, là, sa bichette, là. Qu'est-ce qu'il est mignon, Vivaldin, quand même. J'aime moins son évolution, par contre, à Vivaldin. Il est mignon. Alors, vas-y, on part pas sur du Flamèche, maintenant. Oh là là, wow, oh, ça fait tellement mal. Oh non, j'ai très peur. Oh là là, je vais mourir. Ça va, le son du jeu est pas trop fort, parce que j'avais l'impression qu'il était un peu fort quand même. Ah, je peux pas changer de Pokémon, j'ai pas vu ce qu'il envoie, j'ai... Ah bah. J'en parlais... Non, c'est pas... Si, c'est pas lui son évolution. Non, c'est pas ça. Mais lui, il est pas beau. Il est pas beau, il est vraiment pas beau, lui. Aïe, il m'a dégommé. Ah, lui, il m'a fait bobo, par contre. J'en ai pas attrapé de lui, encore. Je vais mettre mon tank, le temps de comprendre comment ça marche. Alors Salaison, c'est une attaque, vraiment, je pense que je m'en séparerai pas. Hein. Je l'aime vraiment beaucoup. Le fait que ça fasse des dégâts périodiques et tout, c'est trop bien. Ah oui, non, quand même, s'il te plaît. Je pense à aller faire de l'animation des pommettes dans l'eau. C'est bon, c'est fini? Vordi, piétisol. Alors, lanceur piétine au sol et inflige des dégâts. Tous les Pokémon autour de lui baissent aussi leur vitesse. On verra. On va faire ça. Voilà. Ah bah super, de l'orage. Génial. Oh, et regardez-moi ce palmier en papier, là. Allez, on n'y pense pas. On va aller faire un tour à la mer.
Ça, genre, je les ai, ceux-là. Attaquez pas, vous me foutez la paix. Non, mais foutez-moi la paix, en fait, j'ai pas votre temps. Hein. Alors, est-ce que là, c'est considéré comme... Vous empressez de sortir de l'eau. Ouais, merde, j'étais trop proche. Il faut que je monte sur ma monture. Hop. Il faudrait me déclencher la monture automatiquement dans ces cas-là. Hein. Vas-y, nage. Comme un petit chien. Adorabulu. En tout cas, oh merde. En tout cas, j'allais dire, en tout cas, il nage mieux que les Magikarp. Tu t'es attaqué au mauvais Pokémon dauphin, là. Bon, peut-être falloir qu'on aille faire notre arène quand même un moment. Je pense que je vais me péter, je vais avoir la flemme de tourmenter. Voilà, ça c'est fait. Et ciao. Alors, hop. Donc l'arène, elle est là. Donc on va se TP sur celui-ci. Il est... Ah non, franchement, c'est la première fois que je trouve un Pikachu d'une région vraiment, vraiment adorable. C'est-à-dire que les autres sont tous mignons, parce que de base, un Pokémon qui est le Pikachu par génération est très mignon. Mais alors celui-là, je le trouve complètement adorable. Et puis en plus, il évolue. Et coucou! Alors, 1900 Pokémon, let's go. Oh, il y a un truc que j'ai pas ramassé derrière là-bas. Je suis triste qu'elle me donne plus de conseils, la dame. J'aimais bien. Alors, j'avais dit que je voulais mettre... Je sais plus. Je crois que c'était Bacabou hein, que je mettais en premier. Voilà. Donc, on va aller ramasser le truc là-bas. On va aller à l'arène. Parce que ça va être son épreuve aussi. C'est vrai qu'il y a des épreuves, j'avais oublié. C'est là. Ah ben là aussi, il y a un truc. Oh là là. Les soucis de caméra, c'est toujours quelque chose. Ah, bah là-bas aussi, il y a un truc. Non, mais à part ça, moi, je papillonne pas. Hein. Ah, mais là-bas aussi, il y a un truc. C'est bon, après, je crois. Je crois que c'est bon. Fais des efforts. Hein. Tu savais que plus les Pokémon se battent, plus ils font d'efforts pour se surpasser. Ça te dirait de savoir si tes Pokémon se donnent à fond pour toi? Ouais. Quel Pokémon souhaites-tu me montrer? Super Amacel. Je crois que ton Pokémon pourrait faire un peu plus d'efforts. Ah bah super, c'est génial. Allez, on se casse. Je pensais pas comme ça, Amacel. Est-ce qu'on va croiser Menzi? Oh, ça farme. Non, tranquille, tranquille. Ça se balade beaucoup et dès que je vois un truc qui brille, j'y vais. Ah mais elle a placé un traceur sur notre fesse, elle, c'est pas possible. Hein. Allô, Tenebi, c'est moi, Menzi. Ça se passe bien, ton tour des arènes? T'es où, là? Ah, ça alors? Je suis pas loin. Attends-moi, je te rejoins. C'est du harcèlement. Ah, te voilà. Mais elle a pas d'autre ami, en fait, je crois. Waouh, t'as déjà deux badges, t'avances vite. Et t'as donc choisi cette arène pour le troisième. Oh, je pense que tu devrais y arriver sans problème, mais... Je veux en être certaine, alors battons-nous. Oh non. Ça te servira d'entraînement en plus. Non, mais j'aime pas les combats, Menzi. Je fais les combats juste parce qu'il faut les faire pour l'histoire, mais j'aime pas. Oh. Tu sais, dans cette arène, ça rigole pas. Tu ferais mieux de t'entraîner, je t'assure. Bon, c'est décidé. Allons sur le terrain de combat. Ah. Et elle est terrible. Allez, le chargement. Je veux jouer. Vite.
J'ai pas pu stream depuis plusieurs jours, je veux jouer. Oula, ouais, c'est bon. Tu veux un conseil? Avant de t'attaquer à une arène, va voir à quoi ressemble le terrain de combat de la ville. Ça aide de savoir où il est situé et sur quel type de sol il a été bâti pour adapter ta stratégie. Aucun rapport, mais je le vois tout de suite à ton regard. Tu progresses à vue d'œil. Peut-être qu'il est temps que je te présente certains de mes meilleurs Pokémon. Ah, merci pour le follow, Green. Bienvenue. T'es prêt, Tenebi? C'est maintenant qu'on se bat. Je le redis, hein, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai horreur des combats Pokémon. Moi, je veux jouer à Pokémon pour rattraper les Pokémon. Faisons de ce combat une autre belle expérience, mais oui. Bon, après, elle est un peu mauvaise. Hein. Quoique là, elle a dit qu'elle allait me présenter ses meilleurs Pokémon, donc peut-être que je vais moins lui rouler dessus. Hein. Ok, j'ai rien dit. Combien elle en a cette fois? Ce combat te servira d'entraînement pour ta prochaine arène. Donne tout ce que t'as. Elle en a que 3, mes bichettes. Fais un effort aussi, là. Bon, bah déjà tourbissable. Hein. Oh, petit arc-en-ciel derrière, vous avez vu? Il pleut plus. Joli choix de capacité. Tu t'améliores de jour en jour. Oui. Et... oui, Menzi, oui. Aïe, 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 aïe. Je sais plus. Franchement, je sais plus quoi dire sur Menzi. Genre, elle est mignonne, hein, elle est gentille, mais... Elle a une personnalité un petit peu envahissante, on va dire. Est-ce que je peux faire un petit peu ma sangsue ou pas? Ah non, il a la trouille. Il a vraiment pas envie. Allez, ça dégage. Ouais, voilà. Et à se demander vraiment comment elle atteint le rang maître, quoi. Pomme. Ouais, je vais changer, mais il faudrait que je soigne Bacabou, en fait. Attends, ça veut dire qu'il a même pas évolué le sien encore? Oh, bichette. Faites quelque chose. Faut qu'elle arrête de redoubler, là. Faut vraiment qu'elle se concentre, en fait. C'est plus possible. Elle va se cacher. Elle est devenue maître à force de harceler les gens de la ligue. Mais je pense, hein, non, mais j'ai jamais vu un perso comme ça. Elle est marrante, hein. Mais en fait, il y a un certain contraste entre déjà la taille qu'elle fait, le physique qu'elle a, et le fait que je sois ma meilleure amie, entre très grosses guillemets, qu'on soit dans la même classe. Enfin, il y a un truc qui va pas, quoi. Elle a une tête de plus que moi, au bout d'un moment, il n'y a aucune cohérence, quoi. Là, je vais refaire tir debout quand il sera sorti. Ah là là, oh, c'est super efficace, je souffre beaucoup. Oh, je vais mourir. Voilà, ça, c'est une attaque super efficace, Menzi. J'adore les petits écrans de pub derrière, ils sont trop mignons. Ouais, on va changer de Pokémon, hein, on va faire comme elle. Hein. Elle envoie son starter, moi j'envoie le mien. C'est la première fois qu'on va le voir évoluer, je crois. Il me semble, hein. Bon, j'ai déjà vu à quoi il ressemblait. Mais je crois qu'elle ne l'avait pas montré encore. T'as pas encore gagné, je vais reprendre le dessus avec mon prochain Pokémon. Oui, bien sûr. Ouais, alors... autant vous voyez la seconde évolution de Poussacha et la seconde évolution là du petit dinosaure dragon machin. J'aime bien. Mais alors la seconde évolution du coin-coin, je vous avoue que. Je sais pas ce qu'ils m'ont foutu sur la tête, mais je suis vraiment pas fan. Toi aussi, t'as un orbe terracristal maintenant. On peut se battre à égalité. C'est vrai que j'aurais pu terracristalliser, oui, j'y pensais pas. Attends, est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est pas prévu pour tout de suite. C'est très gentil de proposer. Après, j'ai plein de copains qui m'ont proposé aussi. Donc, honnêtement, je verrai à l'occasion. Là, pour le moment, vraiment, je remplis mon petit Pokédex tranquillement. Et je ferai l'inventaire à la fin de ce qu'il me faut par échange et je demanderai à tout le monde. Alors, il me faut lui, 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 lui et lui. Un coup critique, j'ai pas lu la suite parce que je m'en fous.
Ah, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien l'évolution du croco, même si j'aurais pas voulu. Enfin, je n'aime pas le chemin qu'ils prennent pour son évolution, mais je trouve ça très mignon qu'il ait un petit nid sur la tête. Et au début, je croyais que c'était une touffe de cheveux, je comprenais pas l'intérêt. Et c'est en voyant la dernière évolution que j'ai compris ce que c'était. Bon, la dernière évolution, j'accroche pas, hein. Vraiment. Là, par contre, la dernière évolution du coin-coin, j'aime un peu plus, même si j'aime pas cette direction qu'ils ont pris. Mais bon, c'est comme ça, hein. Écoutez, à tout avoir. Hein. Cage éclair, je sais plus, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, non, je vais garder Frode Frimousse. Après, voilà, comme à chaque fois, on est déçu des évolutions. Ils nous refourguent pas encore, sauf pour le type feu, mais des Pokémon qui évoluent sur leurs deux pattes à la fin. Pff, un peu fatigant, quoi. Oui, bah c'est ça, c'est exactement de ça dont je parlais. C'est dommage. Bon, après, la deuxième évolution est cool. La troisième évolution, je l'ai vue aussi. Je suis pas une très grande fan non plus, mais je l'aime bien. Tes compétences s'améliorent de jour en jour. Oui, bah oui. T'as vraiment que deux badges d'arène. Tu te bats comme si t'en avais plus. Quoi qu'il en soit, c'était un combat très instructif, pas vrai? Je dis. D'ailleurs, tiens, prends ça. C'est un cadeau pour te remercier. Trois total soins. C'est tout? Pour être honnête, j'ai envie de recommencer, mais je suis maîtresse. Il faut pas que je sois égoïste. Alors j'attendrai. Je comprends pas la construction de ce personnage. Va collecter d'autres badges. On se battra encore si on se recroise près d'une arène. Tenebi, oui, c'est moi. Oui. Je compte sur toi pour devenir encore, encore, encore plus forte. Ça me ferait trop plaisir qu'on fasse plein de combats ensemble. Bah, ça fera plaisir qu'à toi, Poupette. Hein. T'es mignonne, hein, t'es très gentille, hein, mais... Merci en tout cas, et bonne chance pour ton examen d'arène. Bah là, ça fait quelques jeux Pokémon où je trouve que t'as pas vraiment ce système de rival, en fait. C'est vraiment des gamins comme toi. Tu m'as soigné mes Pokémon? Oui. T'as vu? Trop mignon. Il y a des ascenseurs, j'ai même pas fait gaffe, mais non, on peut pas les utiliser. Hein. Oh, hello, buenos, salut. Non, alors eux, ils ont trop été au cours de langue, là. Bienvenue à l'arène de l'Evalandura. Permettez-moi d'inscrire votre nom dans notre registre. C'est une simple formalité, comme à chaque fois, on le sait. Vous êtes Tenebi, n'est-ce pas? Et voilà, vous êtes inscrite. Pour affronter Machine, la championne, vous devez réussir l'examen de la reine. Celui-ci consiste à faire une apparition sur la chaîne de Machine. Hein? En parallèle de ses activités de championne, Machine est aussi créatrice de contenu. C'est une streameuse! C'est elle, la streameuse! Nous comptons sur vous pour l'aider à divertir sa communauté. Cela vous paraîtra plus clair quand vous y serez. Bonne chance. Hein? Cache-cache en live? C'est quoi ça? Attends. Quoi? Alors, autant les autres, bon, c'était pas incroyable non plus, mais ça avait un rapport avec les Pokémon. Nan, fallait faire des trucs. Il y avait avec le ballon là, des obstacles où on aurait pu se battre pour faire des trucs en plus, mais. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Et voici le moment que vous attendez tous, c'est l'heure des. Machins de machine! Achevez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est elle? Elle est trop mignonne. Ah, par contre, elle est cute. Hein. Hello, buenos, salut. Place à Machine, place à ma chaîne. La reine de la... Je vais pas réussir à être sérieuse. La reine de la toile élec va mettre l'ambiance. C'est vous, la championne? Et oui, ici, c'est moi la championne, mais sur Internet, je suis Machine, créatrice de contenu vidéo et influenceuse du tonnerre. Enchantée. Aïe, aïe, aïe. Tu t'attendais peut-être pas à ça? Bah, tu sais quoi? J'ai une autre surprise pour toi. On est en live dans le monde entier. En tout cas, c'est sympa de ta part d'être venue jusqu'ici. Je vais pas y arriver.
Vraiment, ça me fait hyper plaisir, mais au cas où t'aurais pas remarqué, je suis assez occupée, parce que je suis pas n'importe qui. Donc, je vais être sûre que tu vas faire le buzz. Je veux dire, je dois m'assurer que tu vas te donner à fond. Donc, en gros, si tu veux te battre contre moi, va falloir faire en sorte que ce stream marche du tonnerre. T'as l'air hyper motivé, ça fait plaisir. Du coup, je t'explique le plan. Tu vas voir, c'est tout bête. Mais avant ça, j'appelle notre invité d'honneur, Monsieur Ducoin. Après, qu'est-ce qu'il fait là, lui, encore? Spectra, rappelle-toi que nous, on vient de débarquer dans la région. Hein. Et bon, on n'avait pas de téléphone avant. Maman nous en a donné un qu'au début de l'histoire. Hein. Donc peut-être qu'avant, on n'avait pas accès à Internet, tu vois. Tiens donc, Mademoiselle Tenebi, quel heureux hasard. Mais what? Tu connais déjà ce type? Tant mieux, parce que moi, je le connais pas du tout, en fait. Je l'ai juste trouvé au coin de la rue et j'ai adoré sa vibe, donc je l'ai recruté pour mon stream. Mais il a que ça à foutre, lui? Oh, c'est un honneur. Et donc, que doit faire notre challenger, me demanderez-vous? C'est tout simple. Tenebi, tu vas devoir jouer à cache-cache avec notre bon pote, Monsieur Ducoin. Utilise les caméras de surveillance de la ville pour repérer où Monsieur Ducoin se cache. Retrouve-le 3 fois et ton examen d'arène sera dans la poche. D'ailleurs, j'ai le titre parfait pour ce petit jeu. Cache-cache en ville avec Monsieur Ducoin, ça tourne bien. T'en dis quoi? Il craint pas trop mon titre, on est d'accord? Bah, ça ira bien comme ça. Monsieur Ducoin, je compte sur vous. Je crois que ce jeu va aspirer toute ma santé mentale qui me reste, sachant qu'elle n'avait déjà pas beaucoup. Comme je suis redevable à la Ligue Pokémon pour tout ce qu'elle a fait pour l'Académie, je suis venue apporter mon aide. Je compte sur votre collaboration amicale. Sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Alors, est-ce que tout le monde est ready? Monsieur Ducoin, vous êtes bien caché? Oui, certes. Oh. Hihihi, on dirait que tout est ok. Monsieur Ducoin se cache quelque part dans cette vidéo. Non, je l'ai pas vu, hein. Ouvre l'œil, tel un magnéti, et cherche bien. Et c'est parti, let's go! Comment je fais, du coup? Faut que je bouge, faut que je... Comment ça marche? Oui, trouver Monsieur Ducoin, oui, bah oui. Oui, c'est bon. Ah. Hop. Diantre, vous m'avez trouvé? Oui. Ouais, désolé, j'aime bien m'amuser à faire des petites voix de temps en temps. Ça dépend de mon humeur. Tenebi a trouvé Monsieur Ducoin, pardon. T'as vraiment des skills de malade, c'était une vraie masterclass. On va passer sur la deuxième partie du jeu, mais avant, j'ai une petite surprise pour toi. Tu vas devoir te battre, oh non, contre un de mes fans, Pokémaniac. À toi de jouer. Et je passe sur les machins de machine, trop fort. Oui, mon dieu, pitié, je fais moi. Ah. Bon, allons-y. Dépité. Bon, ok, là, on a des petits combats et tout. Ok, c'est original, ça change des arènes, des anciens jeux, tout ça. C'est vrai que moi, j'ai jamais été une grande fan des arènes sur Pokémon, j'ai jamais été une grande fan des combats de base sur Pokémon. Donc, ça change un petit peu, mais c'est vrai que c'est un petit peu ridicule, quoi. Oui, en plus, on repousse ses fans, du coup. Mais bon. Allez, c'est rigolo. On va pas non plus... Faut l'admettre, c'est original, ça change, c'est rigolo. Les personnages sont plutôt... sont tous un petit peu différents, ils ont tous leur propre caractère et un design qui est super cool. Jusque maintenant, j'aime beaucoup le design de tous les persos qui nous ont montré, en tout cas tous les persos d'histoire. Hein. Bon, les dresseurs de base, c'est pas incroyable non plus. Mais ouais, non, il y a plein de... Les champions d'arène sont cool, hein. De manière générale, j'aime bien. Il en avait combien? J'ai pas fait gaffe. Il n'y en avait que un. Et... On en avait un autre. On a fini? Oh, fini, je crois. Cradovag. Quoi, Cradovag? J'aime bien le nom. Une vague de détritus attaque tous les Pokémon autour du lanceur, peut aussi empoisonner. Ah. Bah, je pense qu'on va envoyer
enlever ça. Hein. Parce que j'aime bien garder un petit peu de trucs. Pas mal ça. Il faudra que je fasse gaffe, lui, dans les raids Terra Crystal, il peut faire mal à tout le monde, rien qu'avec Surf et du coup Crado Vague. Faut que j'y pense. Mais Crado Vague, j'aime bien le nom. Que je gagne ou que je perde, la machine des Alike va exploser. Le pire, mais le pire, mais si les Pokémon, ça existait dans la vraie vie, mais évidemment qu'il y aurait des streamers comme ça, bien sûr. Victoire, bravo Miss Challenger. Allez, hop, on change de caméra. Elle est très mignonne, hein. J'aime vraiment son design, elle est toute mimi. Insupportable, mais toute mignonne. Et voilà la nouvelle scène, un lieu que tout le monde kiffe, le centre Pokémon. Moi, j'ai déjà trouvé. Elles sont nulles vos cachettes, hein. À toi de trouver monsieur du coin maintenant. Ouvre l'œil et le bon. Oui, bah il est là, c'est bon. Hop. Vous m'avez trouvé, zut, moi qui pensais m'être si bien fondu dans le décor. Je vais encore faire un combat, je suppose. T'as trouvé monsieur du coin pour la deuxième fois. T'es vraiment au niveau Uber, toi. Et avant de passer à la suite, j'ai une autre surprise pour toi. Et ouais, tu l'auras deviné, un nouveau combat à toi, Pokémaniac. Notamment, elle m'envoie ses fans dans la gueule comme si elle envoyait des Pokémon. Machine me regarde, je vais gagner pour lui montrer à quel point je l'aime. Aïe, 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 aïe. C'est quoi cette petite chou, quoi. Bon, bah c'est reparti, hein. On va refaire tourbissable parce que ça marche plutôt bien. Il a deux Pokémon cette fois. Ah mince. Ça marche pas. Oh. Oh, déjà faut changer de Pokémon. Je vais vous remettre moi. Faut qu'attends, je peux peut-être essayer. Je sais pas si ça peut marcher ça, je connais pas. Hein. Rayon chargé, ça n'affecte pas Bakabou. C'est ça qui est bien, c'est qu'il peut pas me faire de dégâts, donc ouais, on va le taper avec ça. Oui, ouais, parce qu'en fait, tu peux personnaliser quand même pas mal ton personnage. Tu peux lui acheter des chapeaux, des lunettes, des super sacs, des pompes et tout. Mais il est obligé de garder l'uniforme de l'école. Ce que je peux comprendre, mais en fait, il devrait nous fournir peut-être d'autres... Ils ont une boutique de l'école, pourquoi pas d'autres types d'uniformes, tu vois. Ou alors que en dehors de l'école, bah tu as le droit de ne pas porter l'uniforme de l'école. C'est un petit peu dommage. Alors que dans Pokémon Arceus, on avait plein de... dans tous les sens, même peut-être trop des tenues. Mais c'est ça, il n'y a rien qui s'accorde avec l'uniforme de l'école, à part là le petit sac que j'ai trouvé. Et c'est... Ouais, c'est dommage. T'as vraiment l'impression qu'ils ont réfléchi qu'à moitié quand ils ont créé leur contenu sur le jeu, c'est un peu triste, mais... Ah, épée bouclier, oui, oui aussi. Mais bon, tant pis, hein. Comme ça, hein, de toute façon. Bon, après, c'est que cosmétique. Pas si grave que ça, mais c'est dommage. Merde, je voulais pas refaire tourbissable, bon, c'est pas grave. Oh ben l'uniforme orange, mais bon, déjà j'ai pris Pokémon version violette parce que bah, le violet c'est une de mes couleurs préférées. Donc c'était évident, ce choix était évident. Mais alors ce choix a été, mais... J'ai vu les uniformes orange, j'ai fait... Oh. Ah. Alors le orange vraiment... Oui, en plus voilà, oui. C'est dommage. C'est dommage, c'est le mot, hein, de toute façon tu l'as dit, c'est dommage. Ah, combien ça qu'il est beau. Victory! Kudo à notre invité! Tu vises juste, tu combats sec. Y a rien qui t'arrête en fait. Allez, on change de caméra. C'est bientôt fini ton truc, c'est chiant là. Ah, je croyais que c'était parti, mais non, pas encore. Le dernier acte de notre jeu se jouera ici, sur le terrain de combat. La scène des duels sans merci. Notre challenger arrivera-t-elle à trouver Monsieur Ducoin dans la foule en délire? La foule en délire. Moi, je vois, allez. 6 personnes. La réponse, maintenant. Go!
de bateau. Mazette, vous êtes parvenu à me trouver, je suis admiratif. Il est posé, il me fait trop rire. J'espère que vous trouverez votre trésor avec autant de facilité. Mais waouh, mon stream fait un haut massacre grâce à toi, Tenebi. Regarde tous ces nouveaux abonnés. Je veux dire, bravo, t'as réussi l'examen d'arène. Tu nous en as mis plein la vue, dis donc. Mais attends, elle est vraiment toute petite comme ça? Parce que je croyais qu'elle était un petit peu mise sur le côté en mode caméra de stream, mais non, j'ai l'impression qu'elle est toute petite petite. Je peux te dire que mes viewers ont grave kiffé. Il manque plus que notre combat pour un stream réellement parfait. Bref, va à la réception quand tu seras prête pour la suite, d'accord? J'ai trop hâte de faire une collab avec toi. Ok. Incroyable, c'était... ouf. Ouah. Mais alors, tellement dur! Faut que je soigne mes Pokémon? Non, même pas. Ah si. Ouais, pour récupérer mes compétences. Allez, on va le faire, comme ça, ça fait. Aïe, 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 aïe. Je sais pas quoi penser, parce que je suis partagée entre le fait que je trouve ça cool que ce soit de nouvelles choses, et que ce soit un peu plus original, et le fait que c'est un peu chiant, quoi. On va pas se mentir. Bon. On va aller lui rouler dessus, la bichette. Ça, on n'en parle plus. Et on passe à la prochaine quête qui, elle, m'intéresse un peu plus, puisque c'est la quête de Pepper. Et moi, j'aime bien. La quête de Pepper, elle est cool. En espérant que ce soit de mon level aussi, parce que se trouve, faut que j'aille ailleurs. C'est pas trop. Ouais, c'est dommage, hein, ils auraient pu faire autrement, hein. Machine estime que vous avez fait vos preuves. Félicitations, vous avez réussi votre examen d'arène. Vous pouvez désormais affronter la championne. Êtes-vous prête à affronter la championne machine, la streameuse survoltée? Oui? Entendu. Laissez-moi vous guider jusqu'au terrain de combat. Oh bah c'est bon, je sais où c'est. Bon, du coup, est-ce qu'elle est vraiment toute petite? C'est la question que je me posais, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était en mode caméra de stream sur fond vert, quoi. Mais peut-être pas, finalement. Par contre, ces écrans de chargement qui durent 30 plombes. Oh, achevez-moi. Ah, ça y est. Ah, bah non, elle est pas petite. Ah, j'aime bien son look, hein. Elle est mignonne, hein. Et le stream peut commencer. Hello, buenos, salut. Place à ma chine, place à ma chaîne. La reine de la toile élec va mettre l'ambiance. Oh, pitié. Vous êtes avec Machine et c'est l'heure de... les machins de Machine! Sortez-moi de là! Notre invité ne manque pas de swag, son regard foudroierait un zapetrel. Voici... Tenebi! Au secours! Oui, c'est donc elle. C'était cette streameuse-là dont tu nous parlais la dernière fois. Comment tu te sens, Tenebi? Tu penses que ça va le faire? Bah ouais, je vais te dégommer la gueule, en fait. Oh, t'as la confiance, toi. C'est bien, tu ferais une bonne streameuse. Bon, il serait peut-être temps de passer aux choses sérieuses. Vous en dites quoi? Après, je trouve ça sympa qu'ils aient un petit peu... machin, fait un don de 5000 Pokédollars, pardon. On dirait que vous en pouvez plus d'attendre. Oh, Kingelec, merci pour ton gros don. Je vais mourir. Vous devez avoir hâte de voir notre invité en action. Alors, place au combat. Machine, la championne d'arène, veut se battre. Oui. Let's go. On zapetrelle. Est-ce que je peux le taper? Parce qu'il vole, je vais pas pouvoir encore. Compte sur toi pour offrir un spectacle électrisant à mes viewers. Oui. Et sur les 5000 Pokédollars que t'as eu en don, je peux avoir un... Ouais, voilà, tu vois, Spectra, un petit pourcentage, ouais. Je donne des sous. Ouais, ça aura aucun effet parce qu'ils volent. Alors que je change au Pokémon, mais j'ai un peu la flemme. Je vous avoue, j'ai un peu beaucoup la flemme. À moins que j'en ai des... Ouais, je peux peut-être mettre à Macel. Macel, il fait mal en plus. Sinon, ça va être long.
Et c'est dommage que là, voilà, pendant le combat, il n'y ait pas d'autres petites bulles qui apparaissent, machin, fait un don et tout. Vous voyez, ils font un truc, mais ils le font pas dans leur totalité. C'est con, en fait. Ça aurait très 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 drôle qu'ils nous fassent d'autres trucs comme ça, à moins qu'il y en ait à avoir au bout d'un moment, mais j'ai pas l'impression. Peut-être au moment de changer de Pokémon, j'en sais rien. Paralysé. Oui, c'est ça. Ah non, un petit bidou. Il y a un truc lui. Ah c'est, non. C'est pas un petit bidou. Oh ah, ça doit être l'évolution de petite tête d'ampoule là, tête d'ampoule, je sais pas comment ça s'appelle. Ok. Je le connais pas. Il est moche. Il est moche, mais il est mignon en même temps. Ah, attends, c'est pas des yeux sur les côtés. Ses yeux. Attends. C'est bizarre. Charge en électricité, en énergie. D'accord. Il joue. Ça a cligné, hein, ce que je prenais pour ses narines. C'est pas folle, hein. C'est bizarre son design à lui. Ses yeux, c'est le truc jaune au-dessus de la bouche. Ouais, c'est bien ce que. D'accord. Un peu bizarre quand même. Il est mignoche, comme j'aime le dire. Mignon, mais très moche. Ok. Je connaissais pas celui-là. J'aurais pas. Enfin, je suppose que c'est l'évolution de l'espèce d'ampoule là qu'on avait vu la dernière fois. Et du coup, bon. Il est un peu énorme, quoi, le machin. Par contre, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le design de la championne. Et je suis contente qu'ils ont fait un contraste avec sa tenue par rapport à ses cheveux et ses yeux, qui sont tout gros, tout pastel, mignon. Un Luxio. On va rechanger. Je vais remettre Bacabou. Mais ouais, voilà, il nous manque des petits détails, machin. Fait un dron, machin, c'est abonné, machin. C'est vraiment dommage, parce qu'ils l'ont fait une fois, alors c'est, du coup c'est rigolo, c'est original, et ils ont pas continué. Alors moi j'aime bien. Aïe aïe aïe, c'est vrai que lui me fait mal comme ça. Méfie quand même. Ah, mine de rien, ils ont quand même pas mal d'originalité dans cet opus, hein. Mais c'est pas abouti. Et c'est vraiment ce que je reproche et ce qu'on est beaucoup à reprocher au jeu. Voilà, moi je suis pas une fan hardcore à tout pardonner sur les jeux et voilà. Je suis très bon public en plus. Là pour moi vraiment le plus gros souci du jeu c'est graphiquement, c'est une catastrophe. Ah, moi j'y rêve. Bah, je vais changer de Pokémon parce que vraiment il est pas dans le meilleur état, Bacabou. Mais j'aurais aimé continuer avec Bacabou parce qu'il est rigolo. Après, je trouve ça aussi dommage. Oui, bah, complètement. Alerte, machine en danger, ça craint, j'ai besoin du soutien de la commu. Bah, faites des dons, c'est ça que t'as dit. Est-ce que tu peux lui faire un bâillement à Magirev? Non, non, bah non, je pourrais pas. Tu vas goûter à la puissance de machine. Brille aux éclats, ma petite ampoule. Ouais, c'est vrai qu'il y a du coup, elle va les mettre en mode Terra Crystal. Merde. J'avais oublié ce détail. J'ai pas l'habitude. Et bon, c'est un stream de tub. Par contre, là. Les OST. Je suis désolée. Mais les OST, on peut pas dire qu'elles sont mauvaises. Je les adore. Elles sont très très cool. Et j'ai pas tout entendu encore. Alors celle-là, je l'aime bien, mais de bonne humeur. Bah ouais, du coup, je peux pas le taper avec ça. C'est chiant. Attends, je vais le crado vaguer. Et puis je vais soigner d'autres Pokémon. Bon, il est plus confus, c'est déjà ça. Ah, mais on n'a pas vu crado vague encore. Ça l'a empoisonné ou pas? Non, quel dommage.
Alors, je vais essayer. Je vais essayer de soigner Bacabou déjà, ça peut toujours me servir si jamais il reste streamer. Je me souviens plus de la musique de l'arène plante, je me souviens juste de la gueule du champion d'arène qui. Ok, il a un design qui est cool, mais putain, qu'est-ce qui faisait peur. Oh, la flemme de Terra Cristallis des joues à vous. Mais... Le problème, c'est que je peux pas lui faire mal avec des attaques sol, donc c'est un peu chiant. Du cratère, je ne suis pas approchée encore. J'ai vraiment fait tout, en gros. Bah, attends, je vais te montrer après, mais j'ai fait surtout bah, tout le sud. Un petit peu l'est jusqu'à cette ville-là. Et je suis allée ouais, vraiment un tout petit peu à l'ouest de l'école. Elle veut pas s'empoisonner, Bichette. Hein. Ça me rendrait tellement service. Léo, c'est pas grave. Je lui fais mal malgré tout. Hein. J'ai mes bacabous. Ouais, mes bacabous, de toute façon, on va rien pouvoir faire. Le type sol, ça veut pas à cause de l'évitation. J'ai vraiment envie de m'emmerder. Vous savez quoi, on va taper jusqu'au bout, jusqu'à ce que je puisse plus avec terrestre. Et puis après, on avisera. J'en ai marre. Ah bah voilà. Allez, un petit poison. Oh, quel dommage. Je suis pas sûr que ça passe. Je pense qu'elle va me buter avant, mais. Ouais, c'est pas grave. Je vais changer. Je vais sortir mon beau temps. Tiens, on va prendre le Minecraft avec nous. Ah non, il est pas bien non plus. Oh, fatigué. Je suis fatigué. Bah, allez, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il est? C'est le plus mignon de tous les mignons. Ça serait drôle que j'arrive à le buter avec un froid de frimousse quand même. Je suis pas sûre que du coup elle soit insensible à ça. Ouais, les... Alors déjà de base, je connais pas ma table des types, mais alors quand ils me rajoutent les trucs Terra Crystal qui me mélangent tout, moi je sais plus jouer. Hein. Je plaise dans sa confusion. Quel enfer! Je veux que tu meurs avec un câlin! Je t'ai demandé. Câlin. Ouais. Trop bien. D'accord, ils sont pas double type. Ok. Ouais, mais après, je pouvais pas faire les attaques de type sol parce qu'il avait lévitation, l'autre. D'accord, en fait, je pensais que ça faisait un double type, en fait. J'étais un peu perdue là-dessus. T'as une énergie du tonnerre. Ouais. Ouais, mais... Oh, j'ai eu plein de sous. Et la victoire revient à notre invité, Tenebi. Beau combat, GG. J'aurais préféré gagner, mais c'est pas grave. Merci à tous et à toutes pour votre soutien. Tenebi, vu que tu m'as battu, je vais pas t'essayer de repartir les mains vides. Tiens, cadeau, c'est un badge. Allez, tout le monde, capture d'écran. C'est un moment à garder dans vos disques durs. Aïe aïe aïe, elle m'a fait même prendre la pause. Allez, capture d'écran, c'est parti. Avec 3 badges d'arène, t'attraperas plus facilement les Pokémon jusqu'au niveau 35. Et ils t'obéiront aussi. En tout cas, merci pour la photo. Ah, et j'ai aussi une petite CT pour toi. Oui. Quand j'éclaire. Ok. Et vous, vous avez kiffé ce combat? Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Machine, la reine de la Trolélec, la streameuse survoltée. A bientôt pour plus de contenu sur les machins de Machine. Quel enfer. Mais là, avec sa dégaine, sa façon de se déplacer, je l'aurais plus vu type spectre pour le coup. Mais bon. C'est vraiment son personnage, je sais pas. Ils vont encore nous foutre un type spectre dépressif là. Excuse-moi, oui. J'ai assisté à ta victoire dans l'arène tout à l'heure. Tu t'appelles Tenebi, n'est-ce pas?
Tu cherches à atteindre le rang maître, toi aussi ? Oh, j'aurais dû dire non, mais oui. Cela fait plaisir à entendre. T'as un talent rare pour ton âge. N'aie pas peur de viser plus haut, de grandes choses t'attendent. Pardon, je réalise que je me suis pas présentée. Je m'appelle Alisma, je suis la présidente de la Ligue Pokémon, et j'assure la gestion des arènes. Puisque tu rassembles les badges, je pense que nous serons amenés à nous revoir. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Ok. Bon bah, ça c'est fait. On va aller faire un petit tour au centre Pokémon, et puis on va essayer de voir si je peux aller au nord d'ici, si c'est pas trop compliqué. Et on va aussi dire au revoir à Bakabou. Et faut que je trouve, faut que je mette un Pokémon de type eau. Mais je sais pas qui. Je vais faire une recherche, voir qui c'est que j'ai de type eau. Alors, j'en ai quand même pas mal, hein, des types eau. Je pense qu'on va prendre le dauphin, hein, pour qu'il évolue. Mais oula, ouh. Wow, ça a du mal. Ouais, il y a eux aussi que j'ai pas XP encore. On va partir sur le dauphin. Il est quand même assez haut level en fait pour affronter un petit peu les Pokémon du coin aussi, c'est surtout pour ça. Ah mais je pense que... Le dauphin évoluera jamais si t'es pas encore. Oh, c'est chiant. Moi, je verrai ça une autre fois, alors je vais l'enlever. Que je prends la place. Ou alors je remets mon Aquali histoire de le faire XP un petit peu. Parce que bon, il n'a pas du tout XP depuis que je l'ai eu. Allez. Mon Aquali, il est plus beau que dauphin. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Alors, prochaine étape. Écoutez, je vais essayer de grimper au... par là, là. Essayer d'aller ici, hein. En espérant que ce soit de mon level. On va tester, hein. Bien comme destination. Donc là, ça va être un tout petit acier. Le dominant acier tranché serait un Pokémon redoutable. De nombreux glissements de terrain ont sévi dans les mines de la zone Est numéro 3. Et d'après les personnes qui travaillent, ils auraient été causés par une immense créature qui se cache sous la terre. On murmure ça et là qu'il s'agirait du dominant. Ok. On va se voir, hein, allons-y. Si je peux améliorer quoi que nous, moi ça m'arrange. Hein. Bon alors Spectra, tu t'en sors ou pas? Non. La petite étoile, elle est partie, je crois. Et quelques, 23, peut-être 25, je sais plus, je vais dire ça. 23. Wow. Oh, la dégaine. Faut pas te faire chier, je crois. Hein. Oh oui, mais je verrai plus tard. Hein. C'est que ce truc... Un Pokémon, ça? C'est que ce machin? Vire au vent! Quoi? Est-ce que c'est sensible à la flotte? Pas bouger, bah ça me permet de faire des tests. Non. Bon, ça m'arrange. Du coup, si je peux pas le one-shot... Ça veut dire que je peux l'attraper. Ce n'est pas très efficace. Oui, bah j'ai bien vu que ce n'est pas très efficace.
C'est volontaire. Ok, bah je l'ai eu. Il est bizarre, lui. Plante spectre. Ce Pokémon roule à travers les plaines arides, porté par le vent, sans savoir lui-même où cela va le mener. Il déteste être mouillé. D'accord. Plante spectre. Original. Il est un peu spécial, il est rigolo. Mais... un peu angoissant aussi, on va dire. Petit combat. Allez. C'est un élève, ça ? Hello, je vends deux mandales pour le prix d'une. Il a l'uniforme de l'école, mais... il a 38 ans. C'est l'évolution du petit cochon, trop mignon. Et du coup, il est niveau combien ? Niveau 23 aussi. Bon, ça va. Alors que je crois un peu plus... c'est quel type ces trucs là? Je sais même plus. Est-ce que... je me souviens plus, il est quel type le petit? Il était type normal, non? J'ai un doute. Bon, il n'est pas de type sol, parce que je lui ai pas fait de dégâts. Pire ou pire. Mais tu as un mec qui m'a dit que ça faisait 60 ans qu'il était à l'académie. Est-ce que c'est le vieux? Parce que pendant le cours d'art, il y avait un vieux. Il était tout petit, mais il avait des rides et une barbe ou une moustache, je sais plus. Ça se trouve, c'était le même gars. Hein. Et elle m'a l'air un peu spéciale, cette école, quand même. Je la trouve un peu effrayante, pour le coup. Ah mais oui, mais je suis con. Mais je suis vraiment débile, hein. Je suis débile, excusez-moi. J'avais oublié qu'il était sous terre. C'était un vieux, mais pas le même que pendant le cours. Je vais mettre mon tank. Dommage qu'on puisse pas se déplacer comme sur Arceus. J'aime bien m'approcher des Pokémon pour les regarder de près. Et ouais non, les vieux dans Pokémon, ça fait peur hein, quand même. Hein. Mais du coup, est-ce qu'ils ont une... non, j'allais dire s'ils ont une classe spéciale vieux. Mais non. Bah non, puisque le gars, il était dans ma classe. Mal à comprendre hein. Tout le lore au niveau de l'école, c'est un peu particulier. La construction de certains personnages, c'est un peu spécial. Il va prendre éboulement à ma selle. Ouais, je peux virer soin. Hein. Pire, je lui donne une potion. Faut pas me faire chier. Hein. J'en ai plein des potions. Bon, pour le moment, on change pas. Il collectionne les petits cochons? Ah, il a l'autre genre. Ok. Et du coup, je peux pas voir non plus... ok. Bon, bah pourquoi pas. Bon, je vais rester sur ça. J'ai un peu la flemme de vous. Il est beau, lui. Je le préfère, celui-là. Donc, c'est le femelle qui évolue comme ça, apparemment. Il est mignon, hein. Il a l'air un peu plus déterminé, on va dire. Oh non, pas bâillement. Bon, c'est pas grave, je vais taper encore une fois avec et puis je change un Pokémon. Ouais, c'est ça. Quel enfer. Ouais, allez, on va faire éboulement. Bon, voilà, on va pas dodo. On va faire demi-tour et soigner mon Pokémon tout de suite, par contre, parce qu'il m'a mis mal à l'aise. Enfin, mal. Pas mal à l'aise, mal tout court. Il me met mal à l'aise aussi parce que enfin, la différence d'âge en cette école me fait un peu peur.
Mais est-ce que toutes les personnes qui vivent dans ce pays sont passées par cette école? Ça, c'est une grande question. Ah, attendez. Super potion, voilà. Mais oui, il y a plein d'explications au niveau de l'école que j'ai du mal à saisir. Allez, on y retourne. Donc, ouais, le prochain truc c'est de passer, donc je pourrais me débrouiller. J'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure, mais ça veut pas. Y'a plus de Pokémon ici? Ah bon, y'a le truc machin qui est là, mais Cinq. Je peux le viser, oui. Je l'ai pas eu la dernière fois, lui. Je l'ai malencontreusement one shot. Bon, alors, du coup, je suis pas forcément avec le bon Pokémon non plus, mais je vais essayer de pas non plus le... Voilà. Ne tapera pas fort, parce que je pense que si je sors un certain Pokémon, tu peux me faire mal. Qu'est-ce que je peux utiliser? Il faut pas... Après, du pas très efficace, c'est pas très efficace comment? Parce que si je fais vraiment rien comme attaque, faut pas non plus déconner. On va peut-être essayer juste avec du efficace. À quoi que les hauts level, bidule, bon, on verra bien. Écoutez, après, c'est... Moi, j'aimais bien Pokémon Arceus, où juste je me mettais derrière et je lançais ma Pokéball. C'était trop bien, ça. J'avais pas à me soucier de risque de one-shot le Pokémon. Rien que pour, comment dire, pour les shiny, c'était cool aussi, hein. Voilà, ah bah voilà, comme à chaque fois. Donc il y en a plein d'autres, c'est pas grave. Je vais essayer le pas très efficace, on va voir ce que ça donne. Parce que là, bon, si je lui fais mon pistolet à eau, il va crever. Ça donne quoi? Pas très efficace, combien? Ouais, pas très efficace, pas assez, pas très efficace, trop chiant. Donc, on va essayer avec un autre, on peut être super efficace. On peut peut-être essayer avec Pomote. Le problème, c'est qu'ils sont un petit peu trop haut level par rapport à lui, donc c'est un peu chiant. Oh, il y a un trio piqueur là-bas. Alors, on va essayer Frotte Frimouche. Ouais, là c'est un peu mieux. On va y aller petit à petit. En plus, je l'ai paralysé, donc avec un peu de chance. Essayez, hein. Je sais pas, c'est... Enfin, qu'est-ce qui déclenche le nouveau cours dans l'école aussi? Tout à l'heure, quand on est passé, on n'en avait pas, mais là, on a un nouveau badge. Alors, est-ce qu'on a un cours en plus? J'ai même pas fait gaffe. J'ai un peu la flemme. J'irai à l'école après, après qu'on ait fait le truc de Pepper, je pense. Je vais pas attraper le gros. Un peu la flemme. Je vais essayer quand même d'aller rush là-bas, parce que je vois l'heure qu'il est. Et bon, mon chéri termine tard aujourd'hui, je me suis fait attaquer pas par le gros. Bon bah écoutez, s'il veut à tout prix rejoindre mon équipe, on va essayer, hein. Il est niveau combien? Niveau 25. Après le problème c'est que... Le problème c'est que je veux pas le one-shot non plus. On va retourner avec Pomote. Et ouais, je vois l'heure et j'aimerais bien au moins faire le dominant là. Ça pourrait être cool. Paralysé ou pas? Ouais. Par contre, ouais, il est un peu plus résistant celui-là, c'est un peu plus chiant. Mais il dit quitte à ce qu'il m'attaque, qu'il m'attrape. Quand même. Tant que j'essaye en tout cas. J'ai toujours ça de moins. Hein.
que je tente de refaire étincelle. Je peux tenter, au pire je me tue, c'est pas grave. Non, c'est bon, ça passe. L'éclate qui se prend, le pauvre. C'est bon ? Allez. On va me l'avoir, là. Ouais, ce soir, c'est moi qui cuisine. Et en plus, bah, Kissy, lui, termine le boulot à 20h. Donc, je vais clairement pas le faire chier à ce que ce soit lui qui cuisine. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui. Ils vont m'attaquer parce que au bout d'un moment, faut me foutre la paix un peu, les gars. Ah, oh, punaise. Vous êtes chiant. Pas grave, hein. Je veux crever et crève. Hein. Ouh. Oh, non, il est pas mort. Je sais pas s'il y en a d'autres après, derrière, qui vont m'attaquer. Il y a un certain minus, il y a lui là-bas là qui me fait des appels de phare là. Mais Il bug un peu derrière, je crois. C'est bon ? Et est-ce qu'il va me foncer dessus l'autre ? Parce que bon, ça m'emmerde un peu. Hein, ouais. Laissez-moi sortir de mon combat quoi, ne me foncez pas dessus tout de suite. C'est bon. Alors, donc on a dit. Je suis perdu. Centre, on a dit qu'on allait à la prochaine zone, mais je sais pas comment on y va. Ouais, il faut juste que je suive la route principale et au bout d'un moment je pourrais tourner. Très bien. Donc, let's go. Et à moins qu'on voit un truc de ouf, on ne fait pas de combat. Et oui, c'est vrai que j'ai un traceur dans les fesses, j'avais oublié. Yo Tenebi. Apparemment, le dominant acier tranché est quelque part dans la mine. Il y a des rumeurs qui disent qu'il est hyper grand et hyper long. Je me demande comment il arrive à se cacher avec un gabarit pareil. Si ça se trouve, il est ultra rapide. Et si tu utilisais une capacité de monture pour le rattraper? Ok, j'ai compris. Et allez, on ira faire soigner un petit peu les Pokémon, on fera un petit pique-nique. Oula, ne faites pas ça, c'est dangereux, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il m'observe en plus. Hein. C'est... Ah, vas-y, il me fonce dessus, d'accord. Et quoi cette chose? Vrombi. Je veux pas le tuer, du coup. Ok, pas mal. Je crois que ce truc là il est sorti tout droit de mes cauchemars. Hein. J'ai besoin qu'on m'explique. Alors, Pokémon monocylindre. Son corps correspond à la partie en acier. Il s'accroche à des roches et reconvertit les minéraux qu'elle contient en énergie. D'accord. Ok. Bah il est pas beau. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est pas beau. Salomé entre les Pokémon. Il y a du monde ici, hein. Oula, et merde. Tant pis. Oh non, ils vont tous m'attaquer à la chaîne. Non, vous savez quoi? Oula, il va vite l'autre. On va prendre la fuite. Je voulais juste ouvrir ma carte à la base. Hein. Essayer de se barrer un peu. Je crois que je me rapproche, mais je sais pas où est-ce que c'est exactement. Il y a un moment où je vais devoir tourner à droite. Ah, ce sera à cet endroit-là à peu près. Il y aura une espèce de chemin, ok. Juste avant, je voudrais quand même faire un petit pique-nique pour soigner mes troupes. Ça va être bien.
y a plein de trucs ici. Ok, donc je suppose qu'il va falloir que je rentre là-dedans. Alors, petit pique-nique. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié. J'ai vu un truc là-bas. On va aller voir après. Table. Ah, ça y est. Un sandwich. Bon, je vais pas faire un sandwich de fou curieux parce que là, je ne veux rien attraper de particulièrement. Ouais, y a pas. C'est pas expérience. C'est quoi échantillon exactement comme truc? De rencontres, bon, je suppose que ça booste peut-être les rencontres de certains types de Pokémon. Capture, c'est t'as plus de chances de capturer certains types de Pokémon, mais échantillon. Ah, c'est peut-être quand tu butes un Pokémon genre de type feu, là, je vais avoir plus de loot. Ça doit être ça. Ouais, ok. Minuscule combat. Pas minuscule. Oh, pas d'acier, rencontre contre très bonne expérience. Mais j'ai pas de truc expérience qui m'intéresse, je crois. Ouais, bon, bah écoutez, on va faire un sandwich de base. De type le fameux jambon beurre. Juste histoire de faire un sandwich pour que ça heal mes Pokémon et qu'on soit tous contents et que ce soit trop cool. Voilà. Puis les sandwichs jambon beurre, c'est très bon. Moi, j'aime bien. C'est la base. Oula, la caméra, elle me donne la gerbe. Et voilà. Ouh, sans doute, avant la baston, là. Ouais, ça tremble. Très bizarre. Ça faisait pas ça, les autres fois. Allez. Le budget du jeu est passé dans les animations de sandwich, bien sûr. Waouh, incroyable, hein, jambon beurre. Pouah, c'est délicieux. Hein. Vous êtes content? Bah, si vous êtes content, mieux. Hein. Et alors, je vais juste faire un petit changement dans ma team, là. Je vais mettre Charbamba en premier. Alors, attendez, parce qu'il me semblait avoir vu un truc de loin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il m'a dit de mettre ma monture, donc on va mettre la monture. Non, mais je crois qu'on me l'avait dit, mais après j'aime bien regarder par moi-même ou attendre vraiment longtemps. C'est ça le dominant. Et c'est pas lui où il faut le faire marcher pendant longtemps. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quel enfer. Il est où? Ah. Excusez-moi, monsieur. C'est bon? Il me fait peur, lui. C'est un ver de terre? De type acier? Il veut me bouffer? Ah, il a des pattes. C'est un fer de terre. Je vais rien dire parce que c'est drôle en fait. Ce n'est pas très efficace mais il fait très très mal. Je sais pas si j'ai le level pour ça. Hein. Là pour le coup... Comment dire? Bon après j'ai d'autres Pokémon hein, mais... C'est beau mal hein. On est trop charge déjà. Okay. Il est angoissant. Genre visuellement, il me...
Il me met très mal à l'aise. Et ça fait quelle taille un vrai fer de terre? C'est beaucoup plus petit, je suppose, mais comment? Bon, on va le soigner parce que Bichette me fait pitié. Il me refait la même attaque que tout à l'heure. Ça sert pas à grand chose, mais bon. En fait, c'est ça, son visage n'a pas d'expression à faire de terre et quand il attaque, il ouvre la bouche et là, il fait peur. Enfin, bon, pour ici, au bout d'un moment, se re-soigner, hein, mais. Ah, quoique, non, ça servira à rien. Ah, si! Oh, il est pas mort! Allez, limonade. C'est bon la limonade. Oh, je veux de la limonade, j'en ai pas. Il a l'air joyeux de te tuer en fait, ce Pokémon. C'est vraiment la sensation que j'ai quand je vois sa gueule. Bon, par contre, Charmambin, tu fais pas l'affaire. Hein. Bichette. Je vais essayer de faire Nitro Charge, mais je pense pas qu'il. Ouais, non, voilà, c'est mort. Bon, après, il. Il est dans un sale état, Bidule, mais Je vais mettre Terrestre. Un fer de terre. Coup de boule. Eh, même pas. Hein. Un coup de boule, mais il utilise ses points. Comment ça, je récupère des PV? Oh non, d'accord, c'est une saloperie comme ça. Oh là là. Bah ouais, mais du coup. Du coup, je vais lui mettre Cradovague, hein, mais. Juste pour. Je sais pas si je peux l'empoisonner. Ça n'affecte pas machin. Bon, on va changer de Pokémon. Ouais, mais le problème, c'est que. Quoique si, j'ai Cogne avec lui. Je peux tenter de mettre Cogne. On va tenter de mettre Cogne. Ok, il est pas évident celui-là. Mais je le connais pas en plus, je sais pas s'il a un double type et tout. Vas-y, Pomote, c'est toi le meilleur. Qu'il peut taper plusieurs fois, non? Ouais, c'est ça. Let's go! Quel beau gosse, ce Pomote. Ouais, mais je peux le faire plus de dégâts que ça. Quel dommage. Bon, Pepper, tu attends quoi pour venir? Plus j'ai des problèmes de PV là. Ah, il s'est juste barré par là. Alors, attendez. Bah déjà, Pomote, tu as gagné la place de numéro 1, déjà. Hein. Ensuite, on va soigner Bidule, parce que bon. Le bug avec la monture invisible, dis-moi que t'as pris un screen ou une vidéo. Parce que. Non mais moi les bugs comme ça, j'adore. Ok, de manière générale, les bugs, c'est chiant. Je le conçois. Mais les bugs rigolos, moi, j'adore. Moi, je suis friande. Alors, je sais pas si vous connaissez, il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle GameSprout, qui fait des compilations de plein de trucs différents. Et les compilations que je regarde tout le temps, c'est les GameFails, donc c'est tous les bugs dans les jeux vidéo. Et vraiment, mais c'est des vidéos, mais je meurs de rire devant ça. J'adore les bugs dans les jeux vidéo, c'est une vraie passion. Allez voir les GameFails de GameSprout, c'est incroyable. D'ailleurs, je sais pas s'il en a sorti récemment, mais je pense qu'avec Pokémon, il a de quoi faire, Bichette. Hein. Bon, bah let's go, hein, on y va. Mais y a pas notre pote, il est pas là. Et on va où, là? D'accord. Oh, c'est pas vrai. Ah, ça y est.
avec ses petits bras là. Ah bah ça y est, c'est pas trop tôt. Tenebi, t'as réussi à coincer le dominant ? C'est lui le dominant acier tranché. Mais c'est quoi cette longueur monstrueuse ? Je pense que les nutriments de l'épice que l'épice contient vont lui donner un gros coup de boost. Eh bah ouais. Bah, le problème c'est que j'ai pas réussi à être très très forte face à lui. Hein. Donc j'espère que toi tu seras meilleur que moi. Comme ça tu me carries un petit peu. Comme ça moi je fous rien. Moi j'aime bien. Hein. Il a un terra cool. Attends, il a que un terra cool ? Oh, quel enfer. Et c'est... Attends, terra... Oh oui, d'accord. Je vais cuisiner à la sauce terra cool. Et un tentacool de terre. Ah ouais, là, il prend aucun dégât. Hein. Un peu catastrophique, d'ailleurs. Ah bah c'est bien, tape l'autre. Moi, j'aime bien. Comme ça... Moi, ça me va. Ignore-moi. Mais je crois que ça marchait pas tout à l'heure, les attaques... Solsi. Ça se dit super efficace, mais il a pas voulu la prendre tout à l'heure, si. Il n'est pas très efficace. Bah oui, tu m'étonnes. Oui, c'est ça, hein. Je peux pas le taper avec les attaques comme ça, c'est de la merde. C'est ce que je me disais. Super efficace, mon cul. Je peux pas tourner la caméra, j'aimerais bien le voir, moi, le Terra Cool. C'est dommage. Bon, bah, c'est reparti pour cogner, hein. Je crois que je vais apprendre d'autres attaques de type combat. Il est tellement mignon. Pauvre Terra Cool qui se prend tout dans la gueule. Moi jusque là ça va. Hein. Bon j'ai pris quelques petits dégâts mais... Allez tape le 5 fois. Oh dommage. Tempête de sable se prépare. Ah, il est confus. Ça peut être cool, ça aussi. Ça va. En plus, Terra Cool n'est plus ligoté. Ah, non, mais c'est pas vrai. Allez. Ah, c'est bon. La musique, là, je l'aime bien aussi. Je sais plus à quoi elle me fait penser. Elle me fait penser à autre chose, mais je saurais plus dire quoi. Vous avez battu le first terre dominant. Oui. Il est trop mignon. Regardez-moi ça, là. Il est beau. Akoli va prendre vibre à quoi? Ah, bah oui. Oui. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'il est adorable! Oh, je l'adore, mais je veux une peluche. Il est trop mignon. Ah, et quel pouvoir on va débloquer cette fois? Ça va être cool. On a gagné, trop cool, Tenebi, t'as géré. Au fait, t'as vu la tête du dominant? Je m'attendais pas à ce qu'il ait une tronche pareille, tu m'étonnes. Il était plus gênant que effrayant, quoi. On va sûrement trouver un peu de l'épice secrète qu'il a mangé à l'intérieur. Viens, on va explorer avant qu'il revienne. Ok. C'est bien, c'est avant qu'il revienne. Par contre, on se pose dedans, on fait notre sandwich et on mange notre sandwich dedans. Hein. Mais avant qu'il revienne. Hein. Il y en a forcément une ici aussi. Mais oui, comme d'habitude. Oh, il y a une Pokéball par terre. Pourquoi il y a une Pokéball par terre ?
C'était quoi la Pokéball par terre? Pourquoi on a couru au-dessus de la Pokéball sans réagir? J'en étais sûre, la voilà. Un bug, comme d'hab. Encore une expédition rondement menée. Alors, il nous dit quoi le livre? L'épice secrète salée sert à soulager les membres engourdis et endoloris. Elle serait aussi super utile pour la force musculaire d'après le bouquin. Avec ça, Dogrino devrait se sentir encore mieux. Allez, Tenebi, à table. On va manger sur la Pokéball, vous pensez? On tranche, on garnit, allez, hop, hop, hop. Et voilà, les sandwichs à la Pepper, comme on les aime. Et comme d'hab, un badge dominant en bonus. Il te servira à rien à la Ligue Pokémon, mais tu peux tout, quand même en être fier. Zvordi. Spring, comme d'hab. Avec notre pote Pepper. Bah alors, Spectra, t'y arrives pas aujourd'hui? Oui, bah évidemment. J'ai pensé à toi, espèce de morphale. Bah c'est le mien qui veut, bien sûr. Oui. Voilà ta part, mon beau. Il y a une Pokéball par terre. Il y a une Pokéball par terre. Elle est toujours là, hein. Voilà, c'est bien, mange doucement. Allez, télécharge ta nouvelle mise à jour. Mon turbon. Quel glouton, il prend même pas le temps d'apprécier le goût de mes sandwichs. Il est trop mignon. Lui aussi, il profite des bienfaits des épices. Mais pas de la même manière, on va dire. Genre, il saute plus haut? Au fait, Tenebi, regarde ça. J'ai compris pourquoi il y a toujours un Pokémon dominant près des épices secrètes. D'après le livre, c'est une substance contenue dans ces épices qui les rend si grands et si forts. On peut dire que cette grotte était un peu le garde-manger du Pokémon dominant. Oh, Dogrino, t'as fini de manger? Pokéball est toujours derrière. Hein? Dogrino, mais tu... ta voix, t'as entendu Tenebi? Oui. Il y a une Pokéball aussi derrière lui! Mais ça, c'est peut-être la sienne qui l'a posée là. Oui, hein, ça vient pas de mon imagination. Ah, tiens, là on l'a clairement entendu, j'avais pas rêvé. C'est bien mon beau, c'est très bien. Ça faisait si longtemps que j'avais pas entendu sa voix. Bichette. La santé de Dogrino s'améliore de jour en jour. Décidément, depuis que je te connais, il m'arrive que des bonnes choses. Il reste encore 2 épices à trouver et j'espère que je peux toujours compter sur ton aide. Bah bien sûr. Ça me permet d'avoir des mises à jour pour mon Pokémon. Bien entendu que tu peux compter sur moi, y'a pas de problème. Mais voilà, c'est un petit peu partout qu'il y a des Pokéballs au sol, c'est vrai. Alors, vas-y. Allô, Tenebi, ici Turum. Miraidon. On m'a dit que ça se dit Miraidon, mais j'aime pas dire Miraidon. Croque-mou semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais sauter plus haut quand tu appuies sur le bouton B sous sa forme monture. Ah. Ah bah voilà. Je compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Croque-mou. Oui, parti. Par contre, je vais faire demi-tour, je vais ramasser la Pokéball. Hein. Pas rentrer? Arrête. Je peux pas y aller. Ok. Tant pis. Ah, c'est cette taille-là en vrai, le ver de terre. Ah bah c'est plus mignon comme ça, oui, effectivement. Et quand tu sautes haut, tu sautes... Ah oui! Ok. Genre là, je peux grimper là-haut direct si je veux. Ah, ben voilà. Là, on parle. Là, c'est intéressant. Du coup, je peux aussi grimper là, je suppose. Et je peux rentrer là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Bon, bon, ah, d'accord, donc c'est juste des petites grottes comme ça. Bon, je vous repasserai faire la chasse aux Pokémon une autre fois. Je vous... un peu... Oups. Un peu la flemme. Et d'accord, maintenant que je peux sauter, ça va être un peu...
plus pratique, quoi. Et donc, cette Pokéball au sol, c'était pas juste une Pokéball que j'aurais pu récupérer par la suite, c'était vraiment... Pense pas dessus, je veux pas t'attraper tout de suite, j'ai un peu la flemme, j'ai dit. Je veux déterminer notre prochaine destination, qui sera sans doute pour le prochain stream. Il y a une ville là-bas, on peut peut-être aller jusqu'à... C'est une ville, ouais, on peut aller jusqu'à la ville, peut-être. Comme ça, je débloque le TP qui est là. Après, on pourra peut-être tenter ici, en espérant que ce soit de mon level, parce que sinon, de l'autre côté. Il y avait là... Ah, mais j'avais pas pu y aller, parce que je pouvais pas y aller à pied. Mais ça se trouve, maintenant que je peux sauter plus haut, peut-être que je peux y aller. Faudra qu'on essaye. Après, il y a par ici, on n'avait pas été non plus, ténèbres. Puis on a donc le dominant ici. Et l'autre dominant, le dernier dominant, il est où? Il est là-haut. Ouais, ça fait un peu loin quand même. Ouais, donc ce sera pas pour tout de suite. Le dominant dragon, trop stylé. Ok, mais ce sera, ouais, ça va être vers la fin du jeu, je pense. Quel dommage. Ouais, bah, ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre la route principale. Je vais essayer de la rejoindre, en tout cas. Et on va aller dans la ville là, et on va l'explorer un petit peu. Et moi, dans mon coin, je me baladerai un petit peu par là, et j'essaierai de remplir mon Pokédex, je pense. Il y a plein de Pokémon que j'ai pas ici, c'est cool. Malheureusement, je suis un peu prise par le temps. Je me pose des questions sur l'apparence de la ville aussi, parce que ça avait l'air d'être tout blanc, donc je sais pas trop... Qu'est-ce que c'est là-bas? Pourquoi il y a une table de... Ah! Centre Pokémon itinérant? T'es sérieuse? Ok. Pourquoi pas, c'est gratuit, hein. L'air est sec ici. L'air est sec ici et toute cette poussière, c'est épuisant, alors prenez soin de vous. J'entends un mordu d'or. Ah. Pourquoi pas? Écoutez, après tout. Un Pokémon itinérant. Hein. Ah, bah, il y a un autre mordu d'or là. J'ai dit que j'étais pressée par le temps, mais. Je peux quand même prendre le temps de ramasser 2-3 trucs qui traînent. Ah non, pas là-bas. Je crois que c'était une Pokéball jaune, là, mais non. On y arrive à la ville. Je vois déjà le centre Pokémon. C'est ça. L'autre, elle est paumée, là, avec sa vieille chaise de camping. La pauvre. Oula, oula. Ouh, ça frise. Ah, j'aime pas. Je vais sauvegarder, j'ai peur. Psychique. Okay. C'est un peu... ouais, c'est effectivement... Il y a un mordu d'or là-haut. On sait que je peux sauter... Ah, trop bien. Ouais, je repasserai explorer tout ça tranquillement dans mon coin. Bizarre cette map, hein. Mais j'ai envie d'explorer l'espèce de petit village qui est là-bas. Ah, mais je me disais, merde, y a personne, mais non, c'est bon. Ça me l'a enregistré ou pas? Oui, je peux. Même le deuxième, ça me l'enregistre aussi. Alors, allez, on va se balader un peu quand même. Bon, une boutique de sandwich, il faut que j'y aille pour avoir des recettes. Tiens, te revoici, tu tombes bien, j'ai inventé de nouvelles recettes. Hop. Rien que de penser à ces sandwichs, je salive, alors je t'encourage à tester ces préparations. Blablabla, blablabla, comme d'habitude. Mais il y a du monde ici, hein. Alors, est-ce qu'il y a un magasin de sac à dos? Quoique mon sac à dos actuel, moi, me convient très très bien, pour le coup. Ah,
C'est fou, hein, parce que c'est tout blanc, tout immaculé et tout, puis à côté, t'as... ça. Il y a un truc de... pour se battre, mais il n'y a pas d'arène ici, je crois. Hein. Ça frise, c'est un enfer. Un échange. Ah, tu veux quoi? L'été froid et les antiquités. J'en ai d'ailleurs une qui a pas un passé sombre. Je te la cède contre 10 fragments de thé froid. J'en ai pas, mais ok. Quand j'en aurai, je te donnerai. Donc je ne fais pas d'illusion, on ne peut toujours pas rentrer dans les maisons. Malheureusement. Y'a pas de boutique... Y'a que de la bouffe ici? Bon, c'est une petite ville, mais quand même. Alors, regarde ce qu'il y a derrière là-bas aussi. Peut-être des trucs à ramasser. Même pas. Là-haut. Ok, bah je suis un peu déçue. Hein. Donc ici, il y a une dame qui veut des machins de thé froid. Là, c'est copier-coller partout. Ah, c'est dommage. Il y a même pas de petites Pokéball là que je peux ramasser. Petit cadeau quand même. Non, même pas. Je peux grimper là-haut. Ok, il n'y a pas grand chose, mais. Bon, je pourrais pas aller plus haut. D'accord. Bon, bah tant pis, hein. Peu dommage tout ça. Oh, mais non, par contre, ça c'est vraiment insultant. Mes débuts sont comme ça, je suis désolée, mais. Il n'y a rien du tout là. Dommage, dommage. Ah, et là, on retrouve un petit peu de verdure. Moi, je vous avoue que je préfère ce genre de paysage, hein. Bon, alors, juste me questionner. Les Pokémon ici sont niveau combien? Que c'est que ce truc? C'est niveau combien? 34. Ouais, alors que j'expère un peu mes Pokémon. Tu es... Ah! Quoi ce truc-là? C'est rigolo. Ouais, du coup... Oh non, tu as peur. Ouais, niveau 34, bon, ça va, je m'en rapproche, mais j'y suis pas encore. Par contre... Je l'ai celui-là ou pas, de cette couleur-là, je sais plus. Mais ok, ici, c'est, ouais, c'est plus un peu niveau 30. Donc, ouais, peut-être que j'aille ailleurs après à l'occasion. Et avant de partir, je me posais quand même la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'arrive à grimper dans la grotte ici où vous nous avez dit on peut pas y aller parce qu'il faut pouvoir sauter. Enfin, il faut. On peut pas y aller en marchant, je crois. Je me dis, est-ce que en sautant, ça passe? Et c'était niveau combien dedans? Je me souviens plus. C'était... Et le problème, c'était un problème de niveau aussi. Mais je me souviens plus. Je crois que c'était encore trop haut level. Hein. Je sais pas trop où aller maintenant. Je sais pas du tout où me rendre. Je vais aller voir du coup quel niveau c'était là-bas. Oh merde, je l'ai pas vu. À chaque fois, les petits machins, je leur roule dessus. Et je vais techniquement lui rouler dessus, ouais. Pauvre petite. Concentre. Hein. C'était à gauche. Je suis pas du tout au bon endroit, si. C'était là-bas. Oui, c'est là-bas. Oh non, mais à chaque fois, je fais la connerie. Je sais plus si j'en ai capturé un. De... Oui, Cabriolène, moi, j'ai. Par contre, j'ai pas du... Pas le bon Pokémon. Donc, on va essayer de faire ça vite. C'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir plus d'informations sur le niveau... Sur les trucs qui sont de notre level, en fait. Et c'est vraiment un des soucis que j'ai avec le jeu. Je trouve ça très cool hein, qu'on soit libre d'aller où on veut, de faire les choses dans l'ordre qu'on veut, mais on manque quand même un peu d'informations.
ça serait pas mal de, par exemple, sur, sur l'icône de l'arène, quand tu passes ton curseur dessus, ça te dise niveau moyen 35, tu vois, une connerie comme ça. Histoire un petit peu de savoir où t'en es et ce que tu dois faire exactement. Niveau combien ? Niveau 39, ouais, donc là c'est encore pire. Mais effectivement, je pense qu'avec ma capacité de saut, je devrais pouvoir y aller. Mais bon, ça vaut pas le coup d'y aller maintenant. Alors maintenant, est-ce que la meilleure destination pour moi serait pas d'aller un peu plus par ici, du coup ? Parce que là-bas... Là-bas, c'est niveau 35 et quelques, du coup. Peut-être même... Ouais, si. Peut-être même plus, en fait. Parce que c'est par là-bas. Ça se trouve, il y a encore un step-up de level. Je vais me renseigner. Je vais m'approcher de là-bas. On va le TP là-bas. On va remonter. On va aller débloquer l'autre centre Pokémon. Je vais regarder un petit peu de quel niveau c'est. Mais ouais, je suis un peu perdue. C'est le jeu, hein. C'est comme ça, hein. Ils ont pris cette direction-là et vraiment, je n'y peux rien. On va regarder déjà derrière le pont, c'est niveau combien, si ça change. J'ai entendu. Ah, de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Personne pour le moment. La balade, hein. C'est niveau combien, toi? Niveau 17. Donc, pour le moment, c'est pas trop mal. J'ai fait demi-tour, en fait. J'ai pas pris la bonne route. Je peux pas me mettre un marqueur, genre, pour me dire c'est ce pont-là? Oui, si. On va faire ça plutôt, parce que moi, je suis un peu... Donc, là, il y a droite. Donc, tu m'étonnes que c'était de mon level, encore. De l'orientation. Alors, on a dit à droite, hein. Donc, c'est vrai que j'ai toujours pas fait les combats des gens ici aussi. La map est vraiment très 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 grande, hein, par contre. Ça, c'est très cool. Et derrière ce pont. Déjà, là, il y a un mordu d'or. C'est bon. On va rouler tout doux, on va aller au centre Pokémon. Hop là. Niveau 16, ok, bon, pour le moment c'est plutôt correct. Par contre, du coup, si je suis très très haut level par rapport au truc là-bas, ça va être dommage un peu. Mais bon, c'est le jeu, hein. Déjà, on débloque le centre Pokémon. Voilà. Niveau combien, toi? 18. Oh, aïe, aïe, ça sent mauvais, cette histoire. Ouais, donc, j'ai bien peur que par là, ce soit de trop bas level. Quelle heure il est? Ouais, non, je vais pas pouvoir continuer, malheureusement. Il va falloir que j'aille préparer à manger pour mon amoureux qui va rentrer du boulot. Mais du coup, je pense qu'on pourra aller traîner un peu par là la prochaine fois. Donc on pourra tenter de faire lui et lui, si c'est de mon level en tout cas, en espérant que ce soit de mon level. Cette ville m'intéresse aussi, elle a l'air d'être... Oh! Attends, c'est vrai qu'en temps zoomant, on a les magasins. Oh, trop bien. Donc on a plein de magasins de vêtements et tout là. Oh, ça m'intéresse. Ok, et bah écoutez, la prochaine fois, on essaiera d'aller voir là-bas si c'est de mon level. Je peux peut-être essayer de m'en rapprocher, tu me diras. Ouais, je continue la route tout droit. Peut-être me faire appeler entre-temps, mais... Il va me dire, t'es pas loin du gars, machin... Cassiopée, là. Et bon, on va essayer d'aller voir la ville. Et les Pokémon autour de la ville, quel niveau ils sont. Encore un petit peu de temps, moi j'aime bien. Ah mais je peux pas y aller, c'est fermé. J'avais oublié, ça dégaine. Oh, est-ce que j'ai le temps de le faire? Peut-être vite fait, je ne sais pas, on va voir. Ah, Tenebi. Monsieur Clavel. Au risque de me répéter, moi c'est Clove, ton vieux pote, tâche de t'en souvenir.
Tenebi, avant tout, je dois te dire merci, car c'est grâce à toi que j'ai été acceptée au sein de l'opération Stardust. Et ouais, pourquoi t'es venue, en fait? Je veux comprendre ce qui se passe avec la Team Star et pourquoi ses membres agissent ainsi. Des rumeurs courent sur eux. On dit qu'ils harcèlent les élèves, ils en auraient poussé un grand nombre à quitter l'école. Il paraît aussi qu'ils montent un plan pour prendre d'assaut l'académie depuis leur repère. Mais ce ne sont que des rumeurs, il y a plus préoccupant. Les membres de cette Team Star sèchent l'école depuis bien trop longtemps. En particulier les 5 élèves qu'ils appellent Boss. Cela fait plus d'un an qu'ils n'ont pas mis les pieds à l'école. En outre, leurs sbires ont récemment commencé à commettre des actes de délinquance. Sa vieille veste, là. Oh non. Vous comprenez que je trouve cela inadmissible, c'est pourquoi je leur ai lancé un ultimatum. Je les ai sommés de dissoudre leur organisation, sans quoi je renverrai tous les élèves qui leur sont affiliés. Mais ils ont ignoré ma demande et les chances de mon ultimatum approchent à grands pas. C'est à ce moment-là que j'ai entendu votre conversation avec Cassiopée. C'est Cassiopée, tu m'entends, Tenebi? Reprenons cette discussion plus tard, faites attention à vous. Salut, Clove. L'un des repères n'est pas loin, mais tu parles à quelqu'un? Oui, je parlais toute seule, t'inquiète. Tu as vaincu un membre important de la Team Star, les autres boss sont sur leur garde. Attends-toi à plus de résistance dans le prochain repère. Ok, ça peut être intéressant du coup. Je te recontacte plus tard, fais attention à toi. Oh, je vais peut-être le faire, je peux pousser un petit peu. Il est de type combien? Comment le truc de la Team Star? Ah non, c'est parce que j'ai tourné! Mais tu peux quand même aller voir. C'est quoi? C'est type ténèbres. Ténèbres. Est-ce que j'ai des trucs forts, moi? Je crois que c'est du fée. Alors, attendez, fée insecte. Oh, j'ai pas ça, moi. J'ai pas fée insecte. Il me semble pas que j'ai fée insecte, en tout cas. En termes de Pokémon plutôt fort. Après, ça a l'air d'être quand même assez bas level ici, non? Je sais pas trop. Non, pas le bon bouton. On va regarder déjà ce que j'ai comme Pokémon de type fée. Là. Aïe aïe. Ouais. Comment dire Ah, il y a lui. C'est vrai que je l'avais oublié celui-là, mais ouais. Il a pas d'attaque de type fée. En tout cas, enfin par regard touchant. Après, est-ce que j'ai des compétences? J'ai peut-être des CT type fée. Faudrait que je regarde. Attendez, je vais mettre Patachio dans mon équipe. Histoire de voir si je peux lui apprendre des compétences. On sait jamais. Hein. Bonne soirée, Spectra. Alors, déjà, attendez, je peux le booster un peu. Oula, un peu beaucoup. Je l'ai boosté un peu beaucoup. Relais, non. Ah bah il va évoluer du coup. Trop bien. Avec mon téléphone qui vole derrière là. Ok, il est beau gosse. Il est très beau gosse. Brio chien, il est beau gosse. Je l'aime bien. La surface de sa peau durcit lorsqu'elle est exposée à une forte chaleur. Son corps exhale un délicieux parfum. Il est très beau. Il est très très beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, est-ce que j'ai des compétences de type fée? C'est une très très bonne question, je pense pas. Hein. Ça me parle pas en tout cas. Hein. Après, est-ce que je peux crafter des compétences de type fée? Je pense que, ouais, peut-être que du coup, je vais pas le faire. Je vais aller à la prochaine ville, juste histoire de voir. Et puis, comme ça, je pourrais vraiment prendre le temps la prochaine fois. Et je vais peut-être essayer de choper... plus de compétences de type fée ou insecte. Je crois que c'est faible à insecte aussi. Insecte, je dois avoir. Hein. Mais alors... Ah, mais je peux pas. Ils m'ont bloqué tout partout, en fait. J'ai envie d'essayer un truc. Je pensais que ça marche. Mais est-ce que je vais pas casser le jeu si je fais ça? Insecte, c'est pas fort contre psy plutôt. Attends, je regarde ma table des types. Ténèbres. Et insecte. Mais c'est aussi fort contre psy, insecte.
Et après, c'est tout. Attends, Ténèbres, c'est l'avant-dernière ligne. Ouais, c'est tout. C'est faible face à... Ah, c'est faible face à combat aussi. Ah. Donc combat, fée ou insecte. Vous avez vu comment j'ai triché? Du coup, vous êtes niveau combien ici? Ouais, c'est clairement là où j'aurais dû aller avant de faire les autres arènes. Hein. Bon, c'est pas grave. Et dans la truc de CT, là, est-ce que je peux fabriquer une CT de fée? On sait jamais, hein. Charme et voix enjôleuse. Voix enjôleuse, je l'ai sur certains Pokémon au pire. N'échoue jamais, ça c'est cool. Et sinon, en termes de insectes, survie insecte, ouais, et bon. Ok, je peux les crafter techniquement. Donc je verrai si j'ai besoin. Mais ok. Bah du coup, ce serait pas le moment de faire du shopping, je vous le demande. Alors déjà, le restaurant de sandwich de la zone. Est-ce qu'il est indiqué sur la map? Je suis pas sûre. Conservatoire. Je peux pas voir le 2. Oh là, oh là. Ok. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est un ascenseur? Arrête! Trop bien! Ok. Alors. C'est quoi ici? Magasin d'ingrédients, peut-être au conservatoire. Ah oui, les conserves! D'accord, ok. Mais Ah, kiwi, j'avais pas. Je vais en prendre 3. Je commence à avoir pas mal de thunes aussi, j'avais pas vu. Non, je voulais pas y retourner. Laisse-moi trop. Mais non, mais. Non, non. Non. Bon, alors, je touche plus à rien. Et là, je peux bouger. Trop vite. Est-ce qu'on a d'autres là? Alors, est-ce que c'est les trucs que j'ai? Ça j'ai... Ah, ça j'ai pas. C'est caché. Il est fumé, j'ai pas non plus. Ah, oula. Les poivrons, j'ai pas. J'aime bien la musique ici, elle est cool. Donc là on a fait le tour. Excusez-moi, je passe entre vous les gosses. Alors. Alors moi je voulais voir les magasins de vêtements. Enfin de vêtements. Non, ça n'existe pas. Ouais, donc on va aller par là. Ah, il y a un réseau cas d'oiseaux aussi. Let's go. Elle est mignonne cette petite ville. J'aime bien. Effectivement, c'est très 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 type O quoi. Qu'est-ce qu'ils vendent ici? Ouais, c'est plus des trucs comme ça, hein. Donc ça, ça m'intéresse pas. La pharmacie, c'est bon. Ah. Ah, les chaussures, c'est très... Je suis très très difficile hein, sur les chaussures. C'est vraiment, vraiment compliqué pour moi. Les bottes en cuir? C'est-à-dire, je peux voir? Ouais, alors avec mes chaussettes qui dépassent. Chaussures de ville. Pour Burke. Sandales de sport, oh pitié. Sandales de pillage. Ah, c'est des tongs quoi. Ouais, non. Non, bah non. Non, bah non. Attends, c'est tout ce qu'il vous faut. Oui, oui, je me casse. Allez, ciao. Claquette chaussette. Et là, j'ai fait ton chaussette aussi. On peut avoir l'ascenseur?
près d'oiseaux. Mais ouais, du coup, la prochaine fois, on fera l'arène d'eau et on fera le truc ténèbres. Alors, moi, je veux voir déjà les coques. Normal, vol, insecte, combat, piscisseur, roche, les poisons. Ah, la fleur, elle est mignonne. Ouais, non. Pour le moment, il n'y a rien qui surpasse celle que j'ai. Hein. C'est plus ce qu'ils vendaient dans les objets divers. Ah, oh, ah. Ah, bah d'accord. Bah, je vais peut-être pouvoir voir pour prendre des trucs comme ça aussi à l'occasion. Évoluer un certain Pokémon. Permet à certains Pokémon de changer d'apparence. Ah oui, d'accord. Ok, je repasserai. Tu vends quoi comme Pokéball? Je vais reprendre des Super Balls. Je vais en prendre 10. Comme ça. Voilà. Oui, oui, oui. Quand c'est cadeau, cadeau oiseau, on sait. Alors, prochaine étape. Alors, j'ai vu un magasin de chaussettes, pardon. Ça va être la pied à terre, mode nordique, il y a ça. Et du coup, j'ai pas été par là non plus. Donc, on va aller voir. Hein. Redresse-toi, tout va bien. Oh, quelle angoisse. J'ai peur, lui. Hein. Ça, c'est des chaussettes. Bon, je peux aller voir. Hein. Basse rayée. Oh, ok. Quel enfer. Basse à étoile. Oh, c'est très mignon, hein. Mais Chaussette basse à foufrou. Oh là. Oh là là. Attends, c'est peut-être pas la bonne couleur. Ouais, non, même en changeant de couleur, décollant. Je peux pas avoir de jupe, je crois. Hein. Je sais plus ce que j'avais. Oh, j'aime bien les collants noirs. Je sais plus c'était quoi au niveau de... Je crois que j'avais pas le choix. Hein. Je crois que c'était forcément un short ou un pantalon. Hein. J'aime bien les collants noirs. Pourquoi on va les mettre? Bon, les chaussettes hautes, ça commençait un peu à me dégoûter, quoi. Mais je suis pas sûre... Je me souviens plus comment on faisait pour se changer. C'était un délire comme ça. Faut pas ça. C'est celui-là. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'avais pas. J'ai pas de jupe. C'est trop dommage. Quoi la différence? Là j'ai un pantalon. Ouais mais s'il vous plaît, la salopette. C'est comme ça, hein, mais... C'est compliqué, hein. Je peux pas y aller. Qu'est-ce que c'était ici? Je sais plus. Des chaussettes, encore. Ça fait cher les chaussettes quand même, hein. Bottes en cuir. Ils aiment bien les bottes ici, j'ai l'impression. Hein. Les gants, j'en veux pas. Sac à dos de sport. Et le chapeau. Casquette de sport. Chaplante. Attendez. Ah oui, mais non, je peux pas, parce qu'avec ma coiffure, je n'ai pas droit au chapeau. Il est vrai, il est vrai. Je peux même pas voir à quoi ça ressemble. Oh, je suis sûre qu'une casquette, ça serait grave passée. Faut que je monte encore plus haut? Bon, bah, allons-y, hein. Je vais passer devant l'arène, par contre, ça va me déclencher un truc, et bon, je n'irai pas dedans de toute façon. C'est quoi, ça?
Ah, c'est un magasin de gants et de chapeaux que je ne pourrais pas avoir, de toute façon. Ah si, là je peux. Waouh. Et ça n'a aucun sens. C'est trop bien, je vais m'en acheter un. Casque intégral, attendez. Oh non, c'est trop moche, quel dommage. Oh l'horreur. Casque futuriste. Ouais, ok. Dire. Ouais, je préférerais l'autre hein, pour le coup. Casque tout terrain, voyons voir. Ah celui-là ça veut pas? Si ça veut celui-là. Ouais donc là c'est vraiment pour la moto quoi. C'est tout. Ah, attends non, il y a plein d'autres. Il y en a plein. Casque tout terrain multicolore. Ah. Waouh. Oh c'est paillette. Waouh. Incroyable. Oh là là. Casque de vélo. Ça je peux? Ah ça je peux. Ouais mais ça m'enlève mes cheveux. Burk. Ok, bon, oui, oui. Un jour peut-être. Ah, magasin de sandwich. Ça, ça m'intéresse par contre. Ah, une nouvelle recette là. Ah non, ça n'a pas. Ok, tant pis. On va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et ensuite, je pense que je m'arrêterai là parce que... Bon, la prochaine fois, je pourrais faire l'arène de flotte sans trop de problèmes. C'est quoi ça là-bas? Il y a un truc qui brille. C'est quoi? Un sinistre pieu de couleur noire est planté dans le sol. Voulez-vous l'extraire? Oui. Le pieu s'est complètement désagrégé quand vous l'avez extrait. J'ai libéré quelle espèce de monstre encore? C'était que ce truc. Pourquoi pas, après tout. Attendez, derrière l'arène, il y a un truc. Chambre humeux. Ok. Et ça, pierre haut. Oh, propre. Bon, je sais pas si j'ai libéré un démon, mais... Allez, tu passes, là. Voilà. Ah. Magasin de sacs. Sac de luxe. Ah, des collants somptueux. Voyons voir. T'as 10 000. Burk. Burk. Un peu moins Burk, mais toujours Burk. Sac à dos en cuir à 50 000. Waouh. Ouais, mais ils sont mignons, hein. J'ai pas assez. Ils sont mignons, ceux-là. Ils sont chers, hein. Il est comment genre, il n'y a pas genre violet. Voilà. Ah ouais, j'aime bien. Et rose. Oh, j'adore. Ah, ça, j'aime bien. Où j'économise. Ah là, 80 000, hein, parce qu'il a des rayures. Oh, ils sont trop mignons! Oh non, je veux lui! 80 000. Oh, j'ai pas assez, hein. Mais je veux lui. Le sac à dos en cuir et rayures violettes. Un jour. Non, rayures violettes, il est trop beau. Là, j'ai pas le droit parce que bah, je peux pas porter de chapeau. Quel dommage. Il va falloir que je rechange de... Un chapeau de paille à 12 000, ça va, hein. Tu te touches, toi. Hein. Lunettes de soleil, ouais, les lunettes. Ouais, je suis pas très très fan hein, des lunettes. Argentées et reflets. Waouh, cette classe. Je rechangerai peut-être de coiffure à l'occasion, du coup, je vais pas avoir le choix si je veux des chapeaux. Ah bah attends. Voilà, donc on y est. Moi, je vais arrêter d'avoir mes mèches qui font des trucs un peu chelous. Allez, c'est parti.
peut-être partir sur la coupe droite, hein, du coup. La mi-longue ondulée, elle est mignonne aussi. Alors, peut-être partir sur un truc un peu plus classique, on va dire. On peut essayer les chapeaux, peut-être. Vas-y, on va payer avec des PL. Ah, il y avait une Pokéball au sol, encore. Tout va bien, hein, pas du tout de bug dans ce jeu. Allez, demain, il y a encore, hein. Bon, allons voir le magasin de luxe, les chapeaux de luxe. Espérons que cette fois, je puisse les porter, les chapeaux, quand même. Ah oui, j'ai eu peur. Lumière, je vois pas mon perso, mais non. Le béret, c'est plutôt mignon, tu me diras. Béret 1, 2, 3, c'est-à-dire. Ouais, bof. Mon chapeau melon, je sais d'avance que... Ah, quoique. Quoique. Et comment il est en noir ? Quand j'aurai mon sac de luxe, là, avec son petit nid dans le dos, pour avoir le chapeau de luxe. Un peu trop flashy, quand même. Chapeau melon 1, 2, 3. Voyons voir. Ils sont même pas fait chier à leur mettre des noms de motifs. C'est 1, 2, 3, quoi. Chapeau de paille. À quoi ça ressemble? Oh, c'est trop mignon! C'est mignon, ça. Un peu cher, quand même, pour ce que c'est. Mais c'est mignon. Est-ce que t'en as des... Ouais, motif 1. Motif 2. Motif 3. Ok. Je trouve qu'il est mignon, celui-là, ça change. Allez, je vais le prendre, et puis je le prends en violet pour que ce soit aux couleurs de l'école. On va le payer avec des PL. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de chapeau. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut, pardon, j'avais pas vu. Il va falloir que je trouve des chaussures qui me plaisent aussi. Je suis un peu difficile là-dessus, mais il va peut-être falloir qu'à un moment... Bah, j'arrête de faire la difficile, en fait. C'est pas du tout dangereux ici, tiens. Let's go! Oh non, je peux pas. Oh... Même plus jeter dans le vide comme on veut là. Ouais, il est mignon ce chapeau, j'aime bien. Non, c'est les chaussures qu'il va falloir que je change. Arrête d'avancer, c'est bon. Ah, c'est encore un magasin de chapeaux, allons voir. Maintenant que je peux en reporter. Bonnet. Ah, ça, j'aime bien ce genre de bonnet aussi. En violet, il est comment? Je vais respecter le code couleur de l'école. Hein. Ah, il est mignon, hein. Et en noir, il est comment sinon? En noir, j'aime moins. Peut-être prendre de... quand on ira dans la zone de neige, là. Je vais l'acheter, mais je vais pas le mettre. Avec des PL encore. Non. Casquette de marin. Oh. Mignon aussi. Mais ça fait très facteur pour le coup. C'est pas très marin, mais. Bob blanc. Oh non, pas des bobs, pitié. Juste voir en violet à quoi il ressemble. Ouais, non, ça c'est. Je vais pas à la pêche, quoi. Ah, attends, qu'il y a des motifs, j'aime bien, ça me fait rire. Wouah! Wouah, le truc de l'espace, trop bien! Ah, ils sont stylés ceux-là. Ah, il est beau lui. Mais bon, j'aime pas trop les bobs non plus. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut.
quoi ici? Oh non, mais allez. Voilà. Magasin de sac. Sac à dos. Sac à dos en nylon. Très 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 carré, hein. Alors, je pense que mimétisme. Ah, c'est tout rose mignon. Mais non, celui déjà actuellement me convient mieux. Et puis il y aura le sac qui coûte la peau du cul à 80 000 là. On achètera un jour peut-être. Et bah, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour? Bon, magasin de lunettes, ça ne m'intéresse absolument pas. Blabla dodo. Non, bah écoutez, on a fait le tour hein, des boutiques. Après, il y a le milieu là. Il n'y a pas de boutique au milieu. Hein. C'est juste. Ouais. Regardez à quoi ça ressemble. C'est une jolie place. Bah, du coup, je me demande, ça va être quoi le l'examen? Oula, ça clignotait les gens. Calmez-vous. Je me demande ce qu'on va avoir à faire ici pour le badge. On verra ça la prochaine fois. On est quel jour? Oh, peut-être demain, si ça dérange pas. Ça dérange pas mon chéri. Ou non, peut-être vendredi. Comme ça demain, on va pouvoir pour faire d'autres trucs. Ouais. Et samedi, je serai sans doute en stream. Peut-être un peu plus tôt que d'habitude. Parce que bah, c'est mon anniversaire et comme ça je stream dans l'après-midi et le soir après je suis disponible pour être avec mon amoureux quoi. Du coup bah moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve sans doute vendredi. Je pense que demain je vais m'accorder ma petite journée tranquille. En ce moment je suis un peu fatiguée. C'est-à-dire, je suis pas au top du top. Du coup ouais ça sera ouais vendredi et samedi je pense les prochains streams. À moins que j'ai un truc d'un coup qui est prévu samedi mais bon. Je pense pas. C'est mon anniversaire, mais on va le fêter le week-end d'après. Parce qu'avec ici, deux jours plus tard, c'est le sien. Donc autant tout regrouper, quoi. Du coup, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à vendredi. Et prenez soin de vous. Bye bye.